Et bonsoir, bienvenue sur Indécent Podcast. On est jeudi le 14 décembre, c'est Fred, et on se retrouve pour un nouvel entretien indécent, hein, parce que vous savez qu'on adore ça finalement, passer au grill les différents invités, quelque part on adore ça. Malheureusement ce soir, je vais être tout seul, je dis bien malheureusement, parce que mes collègues et mes mamans quand ils sont pas là, c'est comme ça, voilà. Je suis très triste. Donc voilà, une grosse pensée à Manu, hein, tu vois, je pense fort à toi, parce que je sais que t'en chies un petit peu en ce moment, même beaucoup d'ailleurs. Donc je pense fort à toi. Mon petit Antoine, pareil, hein, mon petit Antoine qui aime souffrir dans Aliens Dark Descent, puisque j'ai regardé tes exploits hier, hein, j'ai revu tout ça, magnifique. Vivement la suite demain, j'ai qu'une hâte, c'est te voir rager. Tu sais que j'adore te voir rager, c'est tellement magnifique. Bref, on n'est pas là pour ça. Ce soir, on est là pour parler d'antiquité. Mais pas les antiquités qu'on trouve chez le brocanteur, hein, bien sûr, ce que vous allez imaginer. Non, on va parler d'antiquités en jeu de rôle avec monsieur Bruno Guérin. Salut Bruno, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, je croyais que c'était de moi que tu parlais comme antiquité. J'ai pas osé la faire tout de suite, t'as remarqué le tact hein, quand même. Donc, on commence en douceur, d'abord on brosse, tu vois, dans le sens du poil, et bien après bien on attaque. Ouais, oui, on est comme ça. Avant de passer sur le gris. Ouais. Puis tu sais, en parlant de vieillerie, je peux m'y mettre aussi, hein, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Oh, incroyable. J'ai pensé à mettre la bonne bannière. C'est qu'on est bon pour ce soir. Bon. Donc, avant de commencer l'émission, déjà, je fais un petit coucou à Diwal. Tiens, coucou, comment vas-tu? Et à Kibi, Critilite, et puis tous ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de la discussion. Et ceux qui nous verront en rediff sur YouTube dès demain, avec chapitrage, lien, etc., etc. Voilà. Écoute, mon cher Bruno, est-ce que tu es prêt? Tout va bien de ton côté? Bonjour à tout le monde, déjà. Oui, ça, c'est pas mal aussi, oui. Écoute, comme d'habitude, et tu le sais, on aime l'originalité. Et pour une fois, vous aurez vu qu'on est à l'heure. Il y a des choses qui partent en vrille chez Indécent Podcast. Si on commence à être à l'heure, c'est que la fin du monde n'est pas très très loin non plus. Donc la question traditionnelle, je ne vais pas te demander de te présenter, parce que Bruno Guérin, bon, je pense, bon, on connaît. Non, c'est plutôt ce qui est intéressant, parce que ça va amener notre discussion derrière, c'est ton parcours. Comment t'es tombé dans le jeu de rôle, forcément, quoi. Hein, mais ton parcours, est-ce qui t'a amené à écrire du jeu de rôle, en fait. Ouais, c'est ça qui est peut-être le plus intéressant pour commencer en douceur. Bon, très rapidement, j'ai commencé le jeu de rôle, j'avais exactement 19 ans, j'en ai 55, hein, je vous laisse calculer. J'ai commencé en club, hein, sur Bretteville, à Bretteville-sur-Odon, donc en Normandie, à côté de Caen. Je me suis retrouvé maître de jeu, essentiellement Donjon, James Bond, Cthulhu, Star Wars, et puis les années 80. Oui, voilà, Empire Galactique, et puis terminé sur Ars Magica. Et après, j'ai joué aussi en tant que joueur avec mes potes, donc en tant que joueur, j'ai plutôt été sur du cyberpunk, In Nomine Satanis, Magna Veritas, Cthulhu, enfin voilà, BattleTech. Voilà un petit peu pour les jeux qui, quelque part, qui m'ont inspiré sur les mécaniques de jeu que j'ai pu par la suite utiliser. Là c'est la liste des jeux où on a vraiment joué des grandes campagnes. Après on a joué c'est un petit peu tout, du Rift, on a joué Château Falkenstein, on a joué des jeux, mais on a fait 3-4 parties, quoi. Voilà. Du vampire ou du loup-garou, voilà. Je dis ça parce que ça a son importance pour Impérator, puisque j'ai réinventé le système. Le D10. Non, mais le D10, quel bonheur. Bref, moi j'ai beaucoup pensé le moment d'été de la brasse. Je préfère le D10, je préfère le D10. On y reviendra. Donc voilà pour un petit peu les jeux auxquels j'ai joué. Mais dans toutes ces périodes que j'ai pu jouer, c'était plutôt du contemporain, du médiéval fantastique, futuriste ou anticipation proche, fiction, voilà, ou anticipation. Moi, ce qui m'a toujours manqué, c'était des jeux un peu historiques, et puis en particulier sur la mythologie, l'antiquité, en fait, en général. Alors, si à l'époque,
La Vallée des Rois. Et Ouais. il y avait Empire Dynastie. Ouais, tu avais Légende celtique aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, mais là, on était déjà sur de Les grands l'arthurien. anciens. Voilà. Et donc, comme je n'avais pas vraiment trouvé chaussures à mon pied, à un moment, quand je me suis retrouvé loin des potes, le travail nous amenant à droite et à Ah oui. gauche en France, eh bien, n'ayant plus de temps à perdre à jouer autour d'une table, j'ai perdu mon temps à écrire. Voilà, aussi simple que ça, à un moment, puisqu'on trouve pas le jeu auquel on aurait aimé jouer, on l'écrit. Alors le problème, c'est que je l'ai écrit, mais je l'ai toujours pas joué, quoi. Je le fais jouer, mais j'y joue toujours pas. Donc voilà. Donc voilà un petit peu comment on va dire après une vingtaine d'années de jeu, en tant que joueur, je me suis mis à être auteur, quoi. C'est là que tu as commencé à écrire du coup. Et y a eu dès le début ce choix d'aller vers l'Antiquité, puisque bon, on parlait d'Impérator et Antiquaire ensuite, hein, bien évidemment, qualité de jeu. Mais ce choix d'aller vers cette période-là de l'histoire de l'humanité, c'était dès le début, c'était comme ça? C'était ce que tu voulais? Alors déjà parce que, comme je te dis, c'était moi je trouvais qu'il y avait un manque. Il y a pléthore de jeux, il y en a beaucoup, énormément qui sont en médiéval fantastique. Ça servait à rien d'aller écrire un énième jeu médiéval fantastique. En SF, il y a des choses encore qui peuvent se faire et se Oui. développer. Mais voilà, moi je me suis dit, le but c'est que je vais pas écrire un jeu à licence parce qu'après il faut acheter une licence. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est à la disposition de tout le monde? C'est l'histoire. Combler un manque, parce que moi, le manque que j'ai ressenti sur l'Antiquité, que ce soit grecque ou romaine, avec d'autres joueurs ou des gens que j'ai croisés, on en est arrivé au même constat. Donc, il y avait une Ouais, demande. vous avez... J'avais fait une première tentative quand j'étais à Compiègne dans un club, j'avais fait jouer la guerre de Troie avec le système Donjons et Dragons, puisqu'il y avait le supplément, il y avait un supplément avec tous les Oui, dieux, les héros. ouais. Donc voilà, donc j'avais un pote qui m'avait donné les parties qui m'intéressaient. J'avais photocopié, voilà, cette partie-là. Et j'avais fait jouer et ça avait super bien marché, bien fonctionné. Les joueurs étaient demandeurs. Au départ, ils y étaient venus un petit peu avec Inspection. circonspection. Ouais, la conscription romaine, ouais, aussi. Voilà, ils n'étaient pas forcément sûrs parce que voilà, ils avaient déjà l'habitude de jouer à Donjon à haut niveau, etc. Et moi, je les ramenais dans un système un petit peu différent où les niveaux comptaient plus. Enfin voilà. Mais ça avait vachement bien fonctionné. Et donc c'est ça qui m'a dit. Enfin, ça a été un des facteurs déclenchants. Il y a des clics, ouais. Quand 3 ans, 3 ans plus tard, je me suis amené à dire, allez, je vais m'y mettre. Tu te lances. Voilà, je me lance. Et la mythologie grecque, c'était moi ma priorité dans un premier temps parce que je savais que ça ce qui allait accrocher beaucoup plus facilement le public. Moi, c'est ce qui me tenait aussi à cœur, comme on disait tout à l'heure hors vidéo. Moi, il y a deux films qui m'ont toujours marqué. C'était Jason et les Argonautes et Le Choc des Titans, les versions des années 80, Ouais, 60 et 80. donc c'est ce qu'on rappelle, hein. Donc le choc des titans c'est 81, ce qui est toujours aussi surprenant quand on voit les effets spéciaux, mais non, 81. Et tu disais Jason et les Argonautes, c'est 1963. 63, c'est ça, c'est ce Ah que ouais, tu disais tout à l'heure. incroyable. Et ces deux films-là, moi, m'avaient toujours Ils sont marqué marquants, ouais. depuis que j'étais gamin.
Il y a l'image, je prends toujours cet exemple-là, mais c'est vraiment ce que moi je voulais retrouver dans le jeu Antica. C'est l'image où à un moment vous voyez Zeus, il y a toute une série de figurines, un petit peu comme nous, maîtres de jeu avec nos figurines en plomb. Et chaque figurine représente un héros, et voilà, il prend. C'était le choc des titans, je crois. Oui, c'est le choc des titans, donc il prend Percé. Il semble. Il le met sur un plateau de jeu, en fait, c'est une espèce d'arène. Et le héros se réveille là, et en fait, cette simple image, c'est bien le héros n'est qu'un pion dans le jeu des dieux. Et voilà, donc quelque part, voilà, Antica est symbolisé par juste cette scène-là, symbolise exactement ce que je voulais faire par rapport à Antica. Quoi. Ouais. Après, c'est vrai que tu parlais des jeux de rôle hein, qui traitaient de l'Antiquité, de l'histoire en tout cas. Bon, il y en avait déjà, hein, bien sûr. En anglais, il y en avait, clairement. Hein, quand tu vas dans la gamme GURPS, tu avais déjà le GURPS à Égypte, GURPS Greece, etc. GURPS en termes de système générique qui cartonnait à l'époque, c'est plus qu'à maintenant. Oui. Mais à l'époque, aux États-Unis, c'était un carton monumental et qu'il y en avait pour tous les goûts, toutes les époques, tous les styles. Oui, bien sûr. Je suis anglophobe, j'y peux rien. Ouais. J'en ai quelques-uns que j'ai gardés précieusement parce qu'à l'époque, pré-internet, c'est une mine d'or hein, pour s'enseigner. Donc, il y avait déjà tout ça. Chez nous, en France, c'est vrai, comme tu dis, il y en avait, mais il n'y en avait pas non plus pléthore, quoi. Il y avait La Vallée des Rois. Il y avait les Mille et Une Nuits. Après, en traduction, tu peux dire qu'il y a RuneQuest, même que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas historique, mais c'est l'âge du bronze, quoi, de toute façon. Donc, tu retrouves des éléments quand même. Oui, après, c'est du mélange, quoi. Ouais. Ce n'est pas du purement historique. Bon, ce n'est pas pur historique. Voilà, après, Antica n'est pas non plus historique, il est mythologique. En fait, il y a du médiéval fantastique. Moi, avec Antica, j'ai fait de l'antique. Ouais, légende celtique, on l'a cité. Salut Jean-Marie. Effectivement, j'en ai parlé déjà. donc voilà, c'est la raison pour laquelle moi je me suis lancé d'abord sur Antica et puis ensuite Impérateur. La volonté d'Impérateur, c'était pour le coup de sortir du côté fantastique et de rester vraiment sur de l'historique pur. L'historique pur. Même si on saupoudre un petit peu de fantastique pour se mettre dans la peau, dans la logique, dans la façon de penser des Romains, enfin des gens de l'époque, qui étaient superstitieux, qui croyaient malgré tout en la magie. Voilà, donc il fallait quand même, dans le système de jeu, y intégrer, y saupoudrer un petit peu de règles sur la magie, de créatures fantastiques, pour que les joueurs... Si on veut rajouter. Voilà, et puis de cette façon, les joueurs ne savent jamais si... sur quel pied danser. C'est un peu comme quand tu joues avec Toulouse. Le but, c'est de pas de mettre systématiquement des créatures du mythe dans tous les scénarios. Oui. C'est de... T'auras pas du Shoggoth derrière toutes les banderies. Voilà. C'est de temps en temps de faire un petit peu du X-Files, quoi. Et puis, et les joueurs, de fait, ne savent jamais vraiment sur quel pied danser. Et, comme et le film voilà. Black Death. C'est du Moyen-Âge, mais le film Black Death, t'as l'impression que c'est du fantastique. Mais non. C'est passionnant. Donc c'est un peu de mélanger les goûts, puis ça permet voilà d'en avoir pour tous les goûts. Chacun y mettra la dose de fantastique qu'il veut. T'as pas fait Fulminata quoi, hein, parce que c'est encore autre chose pour jouer la romantique. Parce que là on part du principe que quand le Vésuve va exploser, les Romains ont découvert la poudre. Donc il y a des armes à feu. Ouais. Non, magnifique. Non. Ça, après, il y a un roman, j'ai oublié son nom aussi, où vous avez toute une uchronie comme quoi l'Empire romain ne s'est jamais effondré. Et puis, Roma Eterna, ouais, de César, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Donc voilà à peu près ce que je peux dire rapidement sur comment j'en suis arrivé à ces époques de jeu. Ouais. Tu voulais qu'on aborde un petit peu le système, en fait, c'est ça, de jeu. Ouais, avant qu'on attaque tes choix de game design, parce que je t'avoue que bon, les péplums, on va faire une petite discussion vite fait là-dessus, parce que moi j'adore. Les choix en fait d'adapter de la Grèce mythologique plutôt que la Grèce historique, déjà,
Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à ce moment-là? Alors, la Grèce historique, il y a un supplément hein, qui est en coécriture avec Éric Dubourg. C'est permettra de jouer à la période de 300, justement. Avec, bon, ça sera le même système, mais on sera à une période totalement historique. Les dieux seront plus omniprésents. Il n'y aura plus autant de guerre médique et guerre du Péloponnèse. Ouais. Tout à fait. Donc voilà. Mais non, Antica, parce que le but, c'était quand même de jouer avec les mythes, quoi, les mythes fondateurs, de jouer. Bon, c'est quand je l'ai écrit, c'était aussi un moment où, quand l'idée m'est venue, c'était aussi un moment où il y avait la série, pardon, la série Hercule et la série Xena. Alors, oui. Ça. On n'aime pas. Moi, bon, ça, voilà, ça m'éclatait. Je ne dirai rien. On a tous nos plaisirs coupables. Hein. Moi, c'était Loïs et Clark, les aventures de Superman. Tu vois un peu. Donc, mais bon, voilà. Après, il faut le prendre pour ce que c'est. Hein. C'est juste. Et en plus, il y a des adaptations jeux de rôle. Si c'est pas magnifique, la vie. Et donc, et à partir de ça, effectivement, c'était de jouer plutôt voilà, une période où ben on va croiser Hercule, on va peut-être l'aider à faire ses travaux, on va croiser Oedipe, Jason. Alors Persée, on peut pas. Enfin, je le déconseille parce que c'est 600 ans avant la période mycénienne à laquelle on joue. Donc c'est beaucoup plus ancien, mais bon, je veux dire, le but c'était d'aller de, globalement de Jason, les Argonautes jusqu'à la guerre de Troie. Ça correspond à peu près à deux générations de personnes, puisque généralement les héros de Troie sont pratiquement tous les fils des personnages des Argonautes hein, ou les petits-fils. Donc on est vraiment sur deux générations humaines et durant cette période, ces deux générations là on a tous les mythes fondateurs, donc c'est pléthore, on a pléthore de sources d'inspiration, que ce soit dans le théâtre classique, que ce soit dans les écrits, que ce soit enfin voilà, je veux dire de tous les mythes, et sachant que chaque mythe existe en plusieurs versions. Donc vous pouvez aussi, les époques et tout. Donc voilà, vous pouvez surprendre aussi vos joueurs en décidant de prendre une version un peu moins connue. Voilà, pour les challenger un petit peu. Et comme ça, l'histoire n'est pas spoilée. Donc voilà, moi je trouvais que c'était intéressant. Et puis bon, maintenant que ça fait 10 ans que Antica est sorti, je le constate de toute façon à chaque partie que je fais en convention avec des débutants, je veux dire les débutants en jeu de rôle ou des jeunes ados, ils s'émergent immédiatement. Je veux dire, vous leur parlez d'antiquité grecque, on a tous été en CM2 parce que c'est en CM2 qu'on commence à faire l'antiquité voilà. Tout à fait, ouais. Et ça parle tout de suite. Vous dites un temple grec, tout le monde voit. Vous êtes même pas obligé de dessiner le plan, tout le monde voit. Voilà, c'est une structure rectangulaire avec des colonnes, etc. Enfin, tout le monde a cette imaginaire-là. Il est commun. Sans compter le nombre de films, hein, de péplums. C'est ce que j'allais dire. Tous les films, séries télé, animation aussi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'animation, mais que ce soit japonais ou américain ou autre, oui, il y a énormément de trucs d'animation. Et japonais, il y en a qui sont vraiment fabuleux d'ailleurs. Et donc, finalement, voilà, c'est une période qui parle à tout le monde et qui est facilement appréhendable en fait par chacun. Donc, moi, je trouve que c'est idéal pour faire découvrir le jeu de rôle à des gens qui connaissent pas. Et puis de le faire, d'initier des jeunes au jeu de rôle, c'est aussi assez intéressant parce que tout de suite ils vont, vous leur dites Hercule, ils savent qui c'est. Bon, moi je sais que mes enfants ils ont testé le système de jeu quand ils avaient 4 et 8 ans.
Bah, quand il était à 8 ans, c'est le moment où il était justement en CM2, bah, il a eu voilà, d'excellentes notes, et il reprenait même la maîtresse en leur disant, mon père, elle a dit que c'était pas ça. Le... Et là, il fallait que je lui explique que les mythes existaient en plusieurs versions. Oui, selon les Mais voilà. régions, selon les cités, parce que chacun s'appropriait aussi son propre mythe fondateur pour justifier. Enfin bon, bref, on pourrait discuter des heures là-dessus sur l'importance des mythes dans la vie de ces populations à Ah, l'époque. c'est une culture orale, Et hein, donc même forcément. aujourd'hui, en plus. Même aujourd'hui, quand tu reprends par exemple l'histoire de la Révolution française et ce que c'est devenu, énormément de mythes de l'Antiquité qui sont venus. La nation grecque, quand elle s'est reforgée, elle a repris les mythes de l'Antiquité qui étaient complètement oubliés. Donc, je te dis, on pourra discuter des heures tellement c'est passionnant. Ah, c'est de créer son histoire nationale, c'est Ça important. aide beaucoup, on va dire. Mais c'est vrai que ouais, pour les Grecs, d'ailleurs, on en discutera si t'as, quand on parlera d'impérateur, si tu comptes faire un Byzance-Constantinople, quoi. Ça sera pas mal. C'est mon petit dada personnel. Donc, ouais, c'est comme tu disais, donc cette volonté de repartager donc, cette période historique et ces mythologies. Mais pour mettre en musique tout ça, du coup, quels sont les choix que tu as fait en matière de game design, hein, ce qu'on appelle, on appelle ça comme ça, hein, de choix de système pour pouvoir coller à ce que tu penses être Alors, le cœur de ces aventures, quoi. je suis pas forcément un grand game designer. Moi, je suis plutôt C'est le terme qu'on emploie, quoi. Hein. voilà, je suis plutôt un créateur d'une, enfin, je préfère un créateur Créateur d'univers. d'univers, c'est pareil. Voilà. Plus ou moins. Enfin, c'est le système de jeu. Quand je parle game design, c'est plutôt par rapport au système de jeu. Ouais, Donc moi, exactement. bon, j'ai toujours préféré les D10 hein, aux autres types de dés, donc parce que je trouve qu'un D6, il n'y a pas assez de variables. Hein. Un D20, il y en a trop. Bon, entre les deux, il y a le D10, c'était pas. Et bon, on pourrait avoir joué voilà entre Cyberpunk, Ars Magica, Le monde Cthulhu, des ténèbres. voilà, le monde des ténèbres, etc. On est sur du D10 et je trouvais que c'était le dé. Adapté. Après, le système, il s'est un peu créé comme ça sur un mélange d'expériences de jeu, de différents jeux, et j'ai pris à droite, enfin pour Antiquaire, hein, j'entends, j'ai pris ce qu'il y avait de bien à droite et à gauche. Hein, et donc voilà, avec Antica, on est sur un système où finalement le niveau que vous avez dans la compétence et le nombre de D10 que vous lancez, on prend le meilleur, ça évite donc plus vous avez de dés, moins de chances, vous avez moins de chances de faire un échec critique. Et puis quand vous faites des actions multiples, ben on regarde les différentes actions que vous voulez faire, on prend la meilleure de toutes les compétences que vous allez utiliser, et ça vous donne un pool de dés, et ce pool de dés, vous allez le répartir dans les différentes actions que vous allez faire. Finalement, un dé est égal à une action. Voilà. Donc, on n'a pas à gérer, comme dans certains jeux, une action, ça prend tant de rounds, etc. Non, c'est t'as tant de dés, donc tu peux faire tant d'actions. Et derrière, il fallait créer, parce qu'il fallait, moi, je suis toujours, j'aime pas forcément les systèmes uniques, génériques. Je préfère, enfin, on peut prendre un système générique, mais il faut à Mais un il faut moment, le tordre pour l'adapter à son voilà, univers, il toujours, de faut toute à façon. un moment, voilà, créer une règle particulière, enfin, des choses particulières dans le système pour amener du jeu, pour enfin, faire fonctionner l'univers auquel on est en train de jouer. Donc, en l'occurrence, dans Antica, c'était les règles sur l'hubris et l'aristia. Donc, l'hubris, la démesure, et l'aristia, le geste parfait. Donc, comment illustrer ça? Ben, l'aristia, si vous avez une valeur, mettons, de 3 en aristia, au moment où vous allez utiliser un point d'aristia, donc vous allez baisser de 3 à 2, mais à ce moment-là, vous êtes à 3, donc vous allez gagner 3 dés supplémentaires. Donc potentiellement, ça vous fait 3 actions supplémentaires dans le tour. Et en plus, vous aurez le droit à un bonus de 3, puisque vous avez eu 3 dés pour toutes les actions du tour. Et donc ça, pour le représenter en termes filmographiques, c'est les ralentis quoi, qu'on voit dans 300 ou dans Matrix, où la personne va faire énormément de
d'actions dans un laps de temps court, et c'est des actions qui sont parfaitement synchronisées. Voilà. Ouais. Et puis l'hubris... Ouais, j'en profite, hein, parce que je vois une petite remarque d'Olive. Le jeu de rôle générique est modulaire comme Cortex. Il n'y a pas Cortex, hein. Tu vois, maintenant, tu as une volonté d'avoir des systèmes génériques qui sont ensuite, effectivement, comme tu dis, modulaires. Tu vois, le Year Zero Engine, ce qu'on fait Free League, quand ils sont pas trop feignants comme Walking Dead. On va pas en rajouter, on va pas tirer sur l'ambulance. Mais oui, c'est une espèce de mouvement de fond, hein, pour adapter à chaque fois un système à l'univers qu'on veut proposer, quoi, qui est un petit peu normal. Et j'en profite parce que, bon, on va discuter de l'hubris, etc., bien évidemment, mais une petite question qui est intéressante, justement, pour tes choix de système de jeu, c'est quelles sont les concessions des mythes que tu as consenties pour le jeu, si t'en as eu à faire. Alors, faudrait préciser, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par concession? Ça va dépendre des scénarios en réalité, parce qu'il y a des scénarios où j'ai pas fait de concession particulière. Je reprends le mythe tel quel et puis je vais y broder l'intrigue, hein, où les joueurs vont s'immiscer dans cette intrigue. Donc c'est le cas par exemple pour la campagne des Argonautes, hein, où en fait les joueurs sont des Argonautes à bord et puis vont participer aux différentes étapes. Alors c'est une campagne très linéaire parce que forcément on est sur un bateau et le bateau s'arrête chaque nuit puisqu'on ne navigue pas de nuit à l'époque. Et donc, à chaque escale, il y a toujours une aventure. Donc voilà, ça. Donc on a une campagne qui est un peu linéaire, et les joueurs vont participer en fait à ce mythe, au dénouement, aux intrigues, aux combats, etc. Et pour le coup, moi, je me suis simplement basé sur ce qu'a écrit Apollonios de Rhodes. Point par point, et voilà. Pour la campagne de 3, c'est un peu pareil, sauf que on est sur des rails, mais sur un bateau. Voilà, c'est ça. C'est un rail aquatique. Voilà. C'est comme chez Disney quand tu prends un petit bateau. Et puis c'est ça. Pour la guerre de Troie, c'est un petit peu pareil, même si on a beaucoup plus, il y a des scénarios qui sont beaucoup plus ouverts. Ouais, t'as 9 ans de liberté, j'allais dire. Voilà. Et puis, bon, j'ai aussi proposé dans la campagne de jouer du côté troyen. Donc, si les joueurs sont du côté troyen, c'est une autre vision de ce qu'a pu écrire Homère, puisque on est plutôt du côté achéen. Voilà, bon, après il y a pas mal de one shot, hein, que vous pouvez trouver sur la scénariothèque, hein, que j'ai mis à disponibilité. Et puis comme je disais, la guerre de Troie, c'est 10 ans, celle qu'on connaît, c'est la dernière année, donc vous avez 9 années de conflit, vous pouvez vous amuser à broder beaucoup beaucoup de choses, hein. Oui, en fait, les voies d'approvisionnement, etc. Donc, je veux dire... c'est même plus vieux que ça, parce qu'en fait il y a une première guerre de Troie avec Hercule qui a eu lieu presque 10 ans avant encore. Il y a eu un moment de paix, et puis ensuite la guerre qu'on connaît qui a duré 10 ans, donc c'est très large, quoi. Ouais, Homère était déjà marseillais, tu vois. La guerre, elle a duré 10 ans, quoi, tu vois. C'est ça. Mais donc voilà, bon, le but, hein, de toute façon, aussi que moi je me suis fixé, ce qu'on disait tout à l'heure, si je suis parti sur de l'historique ou du mythologique historique, c'est quelque part aussi d'avoir un côté didactique où non seulement on joue, mais à la fin de la partie, on aura aussi appris quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'être toujours dans les deux jeux, d'être toujours le plus près des écrits de l'époque. Ouais, ils sont stylés, effectivement. Et pour Impérator, d'être au plus près de la véracité historique ou archéologique, pour pouvoir justement... Bah, après 4 heures de jeu, on sort, on va pas dire qu'on a perdu notre temps, mais on aura appris quelque chose en tout cas par rapport à d'autres jeux où on s'est juste évadé, on s'est juste amusé, ouais. Mais on n'a rien appris, quoi. Voilà. Donc c'était aussi
C'était bon, c'est le petit plus quoi, auquel je tenais quoi. Et comment tu mets en musique justement cet équilibre entre faire passer un message sur l'histoire, les mythologies, etc., et le jeu? Comment t'es arrivé à ça? Bah en fait, je vais prendre un détail et je vais créer un scénario autour de ce détail. C'est-à-dire que souvent, en fait, le détail, ça serait trop fastidieux même à le décrire dans les règles. Par exemple, la dernière convention que j'ai faite à Reims, pour Impérateur, j'ai écrit un scénario sur l'esclavage et le droit des esclaves, enfin, la justice hein, sur des esclaves s'ils survivent à leur maître. Hein, voilà. Lorsque le maître, voilà, donc la justice c'est rapide, voilà. Et donc le scénario va tourner autour de ça. Les joueurs vont être confrontés à ça, et donc tu les mets aussi face à un dilemme, hein, parce que les joueurs c'est pas forcément des bouchers, et on leur dit mais non, mais c'est la loi de Rome, c'est un esclave qui survit à son maître, c'est qu'il a pas fait assez pour porter secours à son maître, donc il doit être tué. Alors, comme il ne reste dans le scénario que la femme du maître, elle ne peut pas. Elle peut pas subvenir. Faible femme, elle ne peut pas salir les mains, donc elle demande aux joueurs de faire le nécessaire, mais surtout de retrouver les coupables du meurtre de son mari. Donc, on part sur une enquête classique, mais au départ, déjà, tu les positionnes dans un contexte, un dilemme, voilà. Et puis quand ils vont trouver le coupable, il va se passer des choses. Et là aussi, ils auront un dilemme au final. Donc voilà. Mais à la fin de la partie, ils ont appris quand même des choses, voilà, sur le droit romain par rapport à l'esclavage. Voilà. Oui. Bon, ça c'est un exemple, c'est celui qui me vient en tête. Et souvent, c'est ce que, comme ça, je fais dans Impérateur. Il y a un autre scénario, c'était sur l'ogre de la Télane. J'avais envie de faire un scénario sur le théâtre romain. J'ai regardé les différents styles de théâtre, et puis il y avait la Télane, qui est un petit peu les prémices de la Commedia dell'arte, c'est-à-dire qu'il y a des archétypes en fait dans ces pièces de théâtre de la Télane, dont un ogre. Ouais. Et à partir de ça, j'ai brodé, j'ai créé un scénario. Mais à l'issue du scénario, on a appris ce que c'est que la Télane et puis des personnages. C'est ça que je veux dire. Ça n'empêche pas qu'on s'amuse très bien. C'est pas didactique comme un cours qu'on va faire au tableau noir. C'est pas un serious game, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'écris mes scénarios. Après, on peut certainement les faire autrement. Ça, c'est des exemples sur Impérateur. Pratiquement tous les scénarios sur Impérateur, ou toutes les campagnes sur Impérateur, étant donné qu'elles sont tous tirées d'un fait historique, on apprend des choses. La campagne de César, l'aigle de Rome, on va apprendre plein de choses sur la vie de César, puisqu'on va tourner, on va être dans sa sphère politique, on va être parmi ces gens. Sur la campagne de... C'était un gros mytho, parce qu'il n'a pas tué 1 million de Gaulois, hein, faut arrêter. mais voilà, donc... Et pour Antica, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que je vais prendre un mythe, je vais le décortiquer, il y a les mythes connus, ceux que j'ai dit tout à l'heure, hein, Jason ou la guerre de Troie, mais on peut prendre Oedipe, on peut prendre la jarre des Aloades, on peut prendre plein de petits mythes moins connus, et puis vous rebrodez autour de ça des scénarios qui sont à chaque fois intéressants et différents, quoi. Ok, écoute, on en discutera sur la fin, parce que j'ai vu que tu avais proposé des scénarios dans des musées, mais ça, on va se le garder un petit peu sur la fin, parce que ça rejoint ce qu'on discute, hein, savoir l'équilibre entre la partie histoire et la partie jeu. Et du coup, on va arriver à en parler de tes deux productions, donc Antica et Impérateur. Alors, on va commencer par le plus vieux, hein, donc Antica, le premier que t'as créé. Écoute, juste pour la genèse du projet, donc tu l'as déjà expliqué, hein, ta passion pour la filmographie, etc. Je pense que ça nous a tous marqués, hein, nos générations. On a été bien, bien biberonnés au péplum, et puis surtout les bouquins blancs, là, les contes et légendes
de mythologie grecque. Ça aide beaucoup. Donc, Antica, oui, effectivement, bon, ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant qu'il est sorti. Bon, je l'avais proposé à 3 maisons d'édition, il n'y en a qu'une qui m'a répondu. Donc, en l'occurrence, c'était les Ludopathes. Donc, la première version, voilà, est sortie en noir et blanc. Avec la fermeture, avec les Ludopathes, on avait sorti le livre de base. Le Mythologica, Troie et les Argonautes. Bon, il y a eu l'Hermaillon qui était un petit supplément qu'on avait fait. Et donc, il y a maintenant 3 ans, suite à la fermeture des Ludopathes, j'ai poursuivi en fait l'aventure Antica en auto-édition. Donc, ouais, via, les droits, via les crowdfunding. Donc avec une petite équipe de personnes avec qui je travaille, donc on a fait la même version en couleur. Ouais, c'est mieux. La version donc en couleur, on a réintégré en fait dedans. J'ai corrigé pas mal de choses, toutes les foires aux questions, les choses qui étaient peut-être mal tournées. Oui, tout à fait. J'ai rajouté l'Hermaillon, comme c'était un petit supplément extérieur, a été réintégré dedans. Dans le supplément Argonautes de la première édition. C'est ça, Hermaillon, je crois. Hein. Oui, c'était ça. Dans le premier. Dans les Argonautes, la première version, il y avait eu tout un supplément, un petit peu de règles avec les dieux mineurs, Hécate, Héra, et puis des nouvelles carrières pour les magiciens. Donc tout ça, ça a été réintégré dans le livre de base. Donc le livre de base, maintenant, comprend toutes les règles qu'il pouvait y avoir, qui avaient été un peu dispersées. Parce qu'au départ, forcément, j'étais pas connu, on savait pas si ça allait marcher, et donc Yann avait décidé de limiter en fait aux 12 dieux de l'Olympe, même si moi j'avais déjà écrit le reste. Je voulais pas non plus faire une V2 ou une V1 bis, comme vous voulez, sans rajouter quelque chose, parce que comme ça faisait presque 10 ans que le jeu sortait, je voulais relancer du jeu, donc on a rajouté la possibilité de descendre également des titans. Oui. Donc ça permettait de relancer petit peu le jeu. Si on veut s'amuser avec la titanomachie, hein, pourquoi pas. Oui, mais... Donc j'explique, c'est suite en fait à quelques recherches sur l'orphéisme, hein, c'est ce qui me permettait en fait d'expliquer le pourquoi du comment, alors que la majorité des titans ont été tués, pourquoi les joueurs peuvent incarner des dieux, des descendants de titans. Quoi. Oui. Donc voilà. Donc ça c'est il y a 3 ans. L'année dernière, on a sorti le Mythologica. Il a augmenté 2,5 fois par rapport à la première version. Donc c'est un gros pavé. Il n'y a qu'une version collector. Il y a que la version. Pages. Oui, c'est ça. Et la version collector qui a été éditée parce que l'année dernière, Ukraine, prix du papier, fait que quand on a voulu lancer l'impression du livre standard, il nous revenait plus cher à fabriquer qu'un livre collector, donc c'était complètement ridicule. Donc tous ceux qui avaient souscrit. Au standard, je les avais upgradés en collecteur. Hein, c'était pour nous finalement le plus rentable. Là, cette année, on a fait Grecopolis. Donc les envois sont en cours. Les premiers souscripteurs reçoivent leur colis là actuellement. Et ce qui nous prend un petit peu de temps pour répondre tout de suite à ceux qui peuvent poser des questions, c'est qu'on a fait un goodies. Qui peut d'ailleurs servir aussi pour impérateur, qui sont des cartes de divination, donc qui peuvent servir pour les jets de divination, pour créer la destinée des personnages dans Antica,
Bon, il y a, vous verrez, ça peut servir aussi comme une petite aide de jeu en cours de, en cours de jeu. Et donc actuellement, on a un petit souci avec PixArt qui nous a livré que la moitié des planches. Il y a 100 cartes à faire, il y a 20 planches et on n'en a reçu que 12. Et mon collègue doit en plus les découper. Donc on a au Mexico. On a 20 000 cartes à découper pour vous faire des paquets de 100 cartes. Voilà. Donc c'est en cours. C'est pour ça que les personnes compris la totale, bon, on a un petit peu de retard là-dessus. Quoi. Voilà. Il y a un peu de travail manuel. Mais bon, je pense que le résultat va être tip-top quand même. Donc, Ouais. Tiens, bah, du coup, on te pose une question, et effectivement, j'y pensais aussi. Est-ce que tu as lu le livre « Jouer avec l'histoire » ? Si oui, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, non, je ne l'ai pas lu. Ouais. Je ne vais pas pouvoir en dire grand-chose. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais j'ai eu plusieurs discussions, entre autres avec Petit Jean aussi, sur une chaîne concurrente. Oui, chez Geek Power, oui. Chez Geek Power. Oui, on se fait régulièrement des crossovers. Oui, je sais bien. Je sais bien. Bon, souvent, voilà, on aborde, mais on y reviendra certainement sur Impérateur. Ouais. Donc voilà pour à peu près la gamme Antica. Et une fois que tout le monde sera livré, début d'année, mars, je pense, on relancera un nouveau crowdfunding avec le supplément suivant, donc sur l'Hadès, l'Olympe, l'Atlantide, les Hespérides, enfin toutes les terres mythiques et mythologiques. Ouais. Ouais. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que pour Antica, en fait, tu avais déjà toute une masse de textes qui étaient prévus à l'époque des ludopathes, et maintenant, du coup, tu peux les ressortir plus facilement via crowdfunding, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Ben oui, parce que comme je suis en autofinancement, c'est ce qui permet de. Enfin, je vais pas avancer les sous. Je suis désolé. Mais oui. Je peux pas non plus. La gamme en fait Antica est terminée d'écrire. Ensuite, après le supplément dont je viens de parler, il y en aura un autre sur l'Égypte avec une grande campagne que j'ai appelée les Masques des Quatre. En souvenir des masques de Nyarlathotep, grande campagne. Mmh. Et puis une autre, un petit peu comme Grecopolis, mais sur les îles grecques. Donc on décrira la Crète, Rhodes, les Cyclades, Chypre, etc. Avec une campagne qui sera beaucoup plus maritime, avec un petit clin d'œil à l'île au trésor, quoi. Voilà. Aux pirates des Caraïbes, sauf que ce sera les pirates des Cyclades. Et puis alors en plus, l'importance de Chypre à cette période de l'Antiquité, c'est juste la Crète méga important. Quoi. Ouais, la Crète. Mais Chypre pour le cuivre, ouais, quand même. Pour le bronze, donc, ça peut servir. Ouais. Ouais, mais sans étain, ton cuivre, t'en fais pas grand-chose. Et l'étain, non. Il vient de Grande-Bretagne. C'est ça. Hibernia et Britannia. Oui, c'est ça. Oui. Hibernia, c'est l'Irlande, pardon. Les îles Cassitérides. Bonsoir à ceux qui sont arrivés en cours de route. Donc, je vois Phileas, Sloppy, etc. Donc, voilà, coucou. Je vois une petite question de Jean-Marie qui se pose la question de savoir si on ne maîtrise pas correctement tout ce qui est mythologie, antiquité et autres. Est-ce que ça fait. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur quand on se dit, mais c'est un jeu purement historique. Alors, bah, j'allais dire, moi, je peux te rassurer parce que j'ai commencé à lire Antica et Imperator. J'ai pas fini de les lire, hein, parce qu'on les a reçus en PDF, comme ça vous savez tout sur les off, hein, parce qu'on chroniquera les deux gammes, mais pas tout de suite, hein, parce qu'il y a un petit peu de matos quand même. Hein. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette façon dont on peut aborder ces jeux-là, sans être parfaitement un gros connaisseur de ces univers-là ? Ce que je dirais à Jean-Marie et à tous les autres, c'est que le but, c'est de se faire plaisir. Moi, ce que j'ai voulu, c'est de faire quelque chose du plus proche historiquement ou mythologiquement possible. Donc j'ai lu plein de choses, j'ai essayé de prédigérer tout ça pour que quelqu'un qui n'a pas fait ses recherches, quelqu'un
qui, enfin voilà, qui est peut-être pas versé là-dedans, puisse, en lisant déjà le corpus de règles, il y a toute une explication de l'univers, etc. Oui. Mais oui. Avoir déjà le béaba, quoi, pour pouvoir répondre aux questions simples des joueurs. Excusez-moi. Après, comme je l'ai dit, hein, je suis fan de Peplum, donc si tu veux jouer ça façon Peplum, façon Hercule, Exela, ah oui. mais fais-toi plaisir. Hein. En tout cas, tu ne me trahiras pas. C'est juste, il faut que vous trouviez l'équilibre de ce que toi, tu as envie de faire jouer et ce que tes joueurs viennent chercher. Bon, pour Impérateur ou pour Antica, c'est vrai que si à table, vous avez un joueur qui est un peu plus expert dans le domaine, il faut qu'il y ait un accord tacite entre le MJ qui serait débutant dans le domaine et puis son joueur, soit le joueur pas non plus interrompre tout le temps, quoi. Voilà, soit le joueur accepte que de temps en temps il puisse avoir des anachronismes et puis il interrompt pas le jeu, soit le maître de jeu peut se tourner vers lui et puis voilà. Mais après, c'est de trouver un équilibre là-dessus. Il y a comment je cherche son nom. Un de vos collègues qui fait en jeu, Frédéric Sapp, je crois, et qui fait jouer, donc il n'est pas expert à Impérateur, et il fait jouer, et il a un joueur à sa table qui a fait sa thèse sur l'Empire romain. Ah oui. Et il le dit hein, dans ses vidéos, hein, puis j'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui, que le travail que j'ai fait en fait en amont, lui il s'accroche à ça, et comme il n'y a pas d'erreur, il est très peu, voire pas du tout interrompu par son joueur. Voilà, donc et puis bon, après c'est pareil, Antica c'est peut-être un peu plus compliqué, mais enfin, plus compliqué, faut attendre la suite de ma phrase, que Impérateur, vous avez énormément de vidéos toutes les semaines, vous avez une vidéo sur la 5, sur France 5 ou Arte, sur YouTube, moi je partage énormément de contenu court de YouTubeurs qui sont vraiment très bien faits. Et donc, il y a moyen, si on ne veut pas s'amuser à lire plein de livres, il y a quand même moyen de se renseigner sur plein de choses, en tout cas sur Impérateur. Ouais. Pour Antica, c'est vrai que c'est un petit peu... nous, en France, on est plus romains, finalement. On est gallo-romains. On n'est que grecs, sauf peut-être à Marseille. Oui, s'il te plaît, ouais. Ouais, merci. On est un peu à part. T'as Marseille, voilà. Et t'as la Paris. Voilà. Voilà. Mais bon, comme c'est un port forcé, hein, forcément, il a une histoire plus grecque, grecque et romaine. Après, mais le reste de la France, c'est pas le cas. Est-ce qu'on peut pas dire que l'Empire romain, c'est pas un peu la civilisation grecque qui aurait fonctionné au taquet? Vous avez 2 heures. Voilà, c'est ça. Non, mais j'allais dire, sinon, pour répondre à cette question, là aussi. Si tu as vraiment envie d'aller de mettre le curseur sur vraiment le plaisir de jeu et pas trop la partie historique, regarde les films et les séries. Tu regardes la série Rome pour Imperator et puis tu regardes 3 par exemple. C'est pas ce que je préfère, hein. Mais tu as la série 3, tu as le film d'Oliver Stone, Alexandre par exemple, qui vont te donner des pistes de ce que tu peux t'amuser à faire. Quoi. Oui. Et puis le choc des titans, même si je déteste les remakes qui ont été faits, mais c'est quand même une autre façon de s'amuser avec la mythologie grecque. Oui, c'est une autre façon. En tout cas, pour Antica, c'est assez facile. C'est... Qu'est-ce que tu rigoles? On est mégalo-romain. Oui, non. On est faussé, s'il te plaît, attention. Ouais. Et donc, je veux dire, il n'y a pas de souci. En tout cas, Antica, à mon sens, est beaucoup plus facile à prendre en main parce que justement, il est beaucoup plus fantastique
Et j'aurais tendance à dire, et je le constate aussi sur les salons, les gens qui hésitent, qui aimeraient prendre les deux, mais ils sont pas sûrs si Imperator, un jeu historique, va plaire à leurs joueurs, ils prennent Antica parce qu'ils savent que la marche entre Donjons et Dragons et Antica, elle est pas si énorme. Vous resterez sur du fantastique, vous aurez des créatures. T'as les dieux qui sont à côté de toi, quoi. Vous aurez les dieux, vous friterez des minotaures. Enfin, voilà, donc c'est plutôt le minotaure qui va te bourrer la gueule, ouais, je pense. Mais bon. Oui, avec la taille qu'il a. Oui. Mais mais voilà, à Antica, enfin, je veux dire, il y a à moins de si tu écris tes propres scénarios, personne ne viendra t'embêter. Tu fais ce que tu veux. Par contre, bon, là où dès lors que tu vas prendre un mythe un peu connu, effectivement, tu auras peut-être une remarque ou deux en disant ah ben non, mais c'est pas comme ça. Bon, après, rien ne t'empêche de dire oui, mais bon, comme chaque mythe existe sous plusieurs versions, toi t'en as proposé une. Ouais, et puis comme tu dis, faut le prévoir depuis le début. Dès le début, tu dis aux joueurs qui connaissent, attention, ça va être ma version, ça va être comme ci, comme ça. Après, ça évite un peu, quoi. Après, il y a aussi toujours moyen de dire qu'il y a énormément de versions de mythes qui ont disparu dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. En plus. Donc, voilà. Moi, ce que je dis souvent, c'est que les joueurs incarnent des héros qui ont existé, mais les écrits ne nous sont pas parvenus. Voilà. Eh oui. Du coup, comme on est sur Antica, alors je viens de voir passer un message d'Éric Dubourg, justement, qui dit que les trois prochains suppléments à venir, donc c'est Terre mythique et légendaire, Terre magique et Cyclade. Voilà, oui, c'est ça, les titres c'est exacts. Le prochain. C'est beau. Merci, Eric. Et coucou à Nurtor, qui est dans le chat aussi, que j'ai vu passer. C'est bien de le dire aussi, lui voit. Du coup, donc on va commencer à parler peut-être un peu plus précisément d'Antica, donc la gamme, etc. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus, nous parler plutôt, du système et de la création de perso? Parce que j'ai vu dans la création de perso, tu as trois caractéristiques de base, dont deux qui vont en découler. Donc, tu disais, l'Ubris et l'Aristeia, je crois, c'est ça hein? L'Aristeia. L'Aristeia, pardon. Et les caractéristiques, voilà, pour voir un petit peu comment tout ça se goupille. Oui, bon, vous avez la Soma, donc rapidement. Voilà, la Soma, c'est le côté physique, l'endurance de la personne. Vous savez, la Sophos, c'est son intelligence. Et puis, voilà, sa sagesse. Et la symbiose, ça va être l'équivalent de son charisme et de sa capacité de vivre dans son environnement. Donc, vous aurez aussi bien des compétences d'interaction sociale avec les autres que discrétion, fouille, enfin voilà. Quoi. Oui, parce qu'on est des citoyens d'une cité-État, effectivement. Oui, généralement. Ensuite, les compétences, comme je le disais tout à l'heure, vous avez donc votre pool de dés, vous lancez, vous prenez le meilleur et vous additionnez la valeur de l'attribut. Et il faut faire plus que le seuil de difficulté que le maître de jeu a défini. Déterminé, ouais. Donc, voilà, selon que l'action est facile, difficile, moyennement facile, héroïque. Peut-être du bonus, malus, ça j'ai vu, ouais. Oui, après, voilà, selon voilà, vous aidez, vous avez une corde pour l'escalade, enfin, c'est classique, il faut toujours ajuster. Voilà. Et puis, comme je disais tout à l'heure, bon, j'ai parlé de l'Aristia, donc qui donne des dés en plus, donc plus d'action et un bonus. Et puis, vous avez l'Ubris, qui vous permet à tout moment de relancer votre dé et en fait de le rendre explosif. Et vous allez additionner la valeur obtenue avec le premier jet. Et comme je suis sadique et comme Zeus a donné le libre arbitre aux humains, dès lors que vous obtenez un 10 naturel sur votre dé, vous avez votre libre arbitre de décider de le relancer gratuitement ou pas. C'est-à-dire que ça vous coûte pas un point d'Ubris, mais vous allez rentrer dans la règle de l'Ubris. La règle de l'Ubris, c'est simple, c'est que vous êtes obligé de relancer votre dé autant de fois que nécessaire, et pour arrêter ces relances, il faut obtenir une valeur qui soit supérieure ou égale à votre valeur d'Ubris du moment. Mmh. Voilà. Sauf que chaque relance vous accorde un point de Némésis. Le maître de jeu va donc comptabiliser les points de Némésis pour votre personnage. Ces points de Némésis, c'est les éléments narratifs qui se rajoutent.
Alors, ça peut être des éléments narratifs, c'est-à-dire que je vais faire intervenir une rencontre pour vous embêter. Je peux très bien vous faire rater un jet qui aurait été réussi. Je peux donner des dés supplémentaires à vos ennemis. Ça, c'est une façon un petit peu de tricher pour le maître de jeu. Mais c'est aussi pour éviter, parfois, on a tous eu ça, on a tous chiadé en fait un gros boss de fin de niveau, et puis les joueurs vous le tuent en un Deux coup, clics là. et c'est fini. Bah oui. Bah Donc non. un petit Voilà. coucou ému à Bastien de Tillestel, parce que c'est un autre jeu qui est venu après, très inspirant d'Antiquité grecque, où on lui a défoncé son Minotaure en un round et demi, parce qu'on a tous fait des critiques. Voilà. Pensez ému. C'est compliqué à vivre, je comprends. Et donc, les points de Némésis servent aussi un petit peu à contrer ça. Bon, par contre, je ne tue jamais un joueur en utilisant ces points de Némésis, forcément. Et puis, si le maître de jeu ne les utilise pas, ces points de Némésis, à un moment, le joueur va rater. Il y a un jet de Némésis à faire à la fin de chaque Séquence, ouais. aventure, voilà, chaque séquence. Et s'il le rate, eh bien, au scénario d'après, il va entamer Samoara, c'est-à-dire que Samoara va s'enclencher. Voilà, donc on va jouer sa destinée funeste, sachant que la destinée funeste n'est pas forcément la mort du personnage. Oui, Hein, par c'est vrai, on exemple, n'avait si je pas encore prends, parlé, ouais. voilà, c'est-à-dire que si on prend Oedipe, lorsqu'il apprend, voilà, qu'il a tué son père et qu'il a épousé sa mère, ben il se crève les yeux et il devient un roi errant. Donc il n'est pas mort, hein, mais il continue d'avoir des aventures. Mais voilà, Hercule, il a eu plusieurs destinées funestes. La première, c'est quand il a tué sa famille sous l'effet de l'ivresse. Il en a une autre lorsqu'il devient l'esclave de la reine Omphale. Lorsqu'il fait les 12 travaux, c'en est une troisième. Enfin voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur Oui, les règles particulières. c'est vrai que la morale, on n'en avait pas parlé, c'est que comme on est des héros, des espèces de demi-dieux, hein, descendants des dieux, hein, dans Antica, ça c'est le présupposé du système, on a ce système de sort funeste, c'est-à-dire une prophétie, tu disais. Alors tu as le système où c'est prophétie, et l'autre c'est, je vais commencer à dire, mais j'ai pas tout encore en tête, tu as deux styles pour prédire ce qui va se passer. La divination. Bon, ouais. Non, Parce je que vois pas ce que tu veux dire. non, non, attends, je vais essayer de le rouvrir, que je dise pas de conneries. Bon, ça va me prendre un certain temps, donc vous m'excusez, hein. Voilà. Alors, tac, tac, C'est dans la tac. mantique. La Moira, page Les 177, on augures. y va. Où c'était dans le scénario, je ne sais plus. Bon, c'est pas très grave. Je Non, c'est retrouverai. pas grave. Il y Bon, a c'était. d'ailleurs, il y avait une personne qui avait fait, j'avais mis un lien sur Facebook, qui avait fait une excellente vidéo d'ailleurs sur la Moira en prenant ce que j'avais fait. Ça, c'est toutes les carrières. Oh, ouais. Oui, c'est vrai que du coup, c'est qu'on n'a pas parlé de ça dans le système. C'est que tu choisis, bon, déjà de quel dieu tu descends, et ensuite un choix de carrière Oui, alors oui, en fait. qui détermine tes compétences, quoi, du coup. Le joueur choisit son origine, sa carrière, enfin le dieu dont il descend, et sa carrière. Sachant qu'on est sur des carrières, bon, je voulais pas juste qu'il y ait voleur, guerrier, prêtre. Hein. Donc on a artisan, on a artiste, on a politicien, on a. Je l'ai dit de tête. Bon, il y a Bâtisseur. bâtisseur, il y a Ouais, bon, bâtisseur, forcément, il est il y a le super intéressant. combattant, il y a le voyageur, etc. Voilà. Et Allez, d'ailleurs, j'ai retrouvé pour la Moira, c'est bon. Donc tu avais la voilà. Moira prophétique et la Moira symbolique. Voilà. Oui. Ça y est. C'est les Oui. différentes façons de l'expliquer, de la mettre en jeu. C'est ça qui Oui, de la m'avait mettre en intéressé, jeu. effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a. Ben, pour les débutants, vous avez une table, en fait, pour tirer votre Moira. Et lorsque vous aurez les cartes de divination, c'est beaucoup plus intéressant, en fait, Je ne pourrais. c'est beaucoup plus intéressant de tirer la Moira avec justement les cartes de divination, parce que selon dans quel ordre vous allez mettre vos cartes,
Vous pourrez interpréter, faire une prophétie différente, et pourtant vous aurez toujours les mêmes cartes. Donc tu nous rassures quand même, on n'est pas obligé de faire des sacrifices d'animaux pour pouvoir jouer Antika. Sacrifice sur Dieu. Ça, ah si, quand même. Donc le chien de la voisine, par exemple, s'il aboie trop, on peut toujours le sacrifier à Zeus. Ça marche ? Ou les chats. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les chats. Moi, je les aime pas, donc je peux les sacrifier. Que du bonheur. Non, normalement, c'est voilà, dans Antika, c'est plutôt des moutons et des bœufs qui sont sacrifiés. Ça va être plus compliqué à les trouver et à égorger, effectivement. Surtout quand tu fais une hécatombe en faux sang. Ouais. Mais ça va être un peu compliqué, effectivement. Le roleplay a ses limites, on est d'accord. Donc voilà, il y a effectivement ces deux façons de jouer la morale, donc qui t'amène à avoir cette espèce de destin qui te pèse toujours sur le... C'est l'hubris, en fait, qui, au bout d'un moment, te fait tomber et t'active, oui, ta morale. C'est la démesure, en fait, c'est quand un humain, un mortel, se prend à l'égal des dieux. Et les dieux, ils n'aiment pas ça. Voilà. Donc, ils envoient la déesse de la vengeance divine, donc Némésis, s'occuper du contrevenant. il finit aux enfers, hein, généralement, genre Sisyphe. Voilà. Alors, une chose quand même qui est pas négligeable, c'est qu'à Antika, en fait, vous ne pouvez pas mourir, parce que quand vous mourrez, on joue aux enfers. Les enfers ne sont qu'un autre lieu où on peut jouer, quoi. Oui. Donc, bon, après... Sauf aux Champs-Élysées, parce que tu dois te faire royalement chier, quand même. Oui, mais enfin, après, on peut créer des scénarios même aux Champs-Élysées. Mais, voilà. Mais voilà, voilà sur le principe. Et si vous voulez le jouer... Petit clin d'œil à God of War, hein, ben vous pouvez très bien, comme Kratos, décider à la force de vos muscles, ressortir des enfers ou négocier avec Hadès, hein, pourquoi pas. Donc ça, tout ça, c'est voilà, c'est d'ailleurs c'est ce que je démontrerai dans le prochain supplément, puisque c'est tout l'objectif. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va jouer exactement ? Parce qu'au bord on a parlé de mythologie, de système, etc. Les types d'aventures. Alors moi j'ai lu le scénario qui est dans le. Enfin je l'ai lu. Je l'ai parcouru. Mais je ne vais pas aller dans le détail. Qui se situe pendant les Jeux Olympiques justement, avec ce destin funeste, etc. Mais est-ce que tu vas jouer plus que tu commences enfin, après ça dépend de ce que toi tu proposes bien sûr. Plutôt historique, mycénien, mais c'est compliqué parce que les traces de cette époque-là, il n'y en a pas non plus 300 millions de tonnes. Et puis le mycénien, on ne l'a pas tout à fait compris encore. Et, ou totalement mythologique. Est-ce que toi, tu fais des mix des deux ? C'est un mix des deux parce qu'en fait, la période mythologique, c'est la période mycénienne. La guerre de Troie, c'est la fin de l'époque mycénienne. Ouais, c'est le 13e siècle. Voilà, avant Jésus-Christ. Ouais, c'est ça, en 1300 avant Jésus-Christ, à peu près. Ouais, juste avant l'effondrement de l'âge du bronze, quoi. Voilà. Et puis après, on arrive dans les âges sombres. Voilà. Et les scénarios, vous allez avoir énormément de choses différentes. Comme je l'ai dit, on peut jouer des scénarios guerriers, comme la guerre de Troie, avec beaucoup d'interactions politiques, négociations, diplomatiques. Ça peut être des campagnes de quêtes. Bon, Jason et les Argonautes sont... Oui, celle-là, on est en plein dedans. Mais par exemple, dans Gregopolis, on est sur de la gestion de la cité d'Athènes. Voilà. Donc les joueurs vont être, parce qu'à l'époque, même si vous ne vous présentiez pas, on peut très bien voter pour vous et vous vous retrouvez à un poste de magistrature pour gérer la cité. Donc tout l'intérêt, d'ailleurs, c'est de jouer même des emplois à contre-pied, c'est de nommer le guerrier responsable des finances du marché, et puis le politicien ou du groupe d'assurer la police de la ville, quoi. Enfin voilà, on peut très bien, et ça peut ça peut amener du jeu, et donc à gérer cette cité en l'absence du roi Thésée, il y a la ville étant un panier de crabes, parce qu'il y a plein d'autres factions politiciennes qui, le roi n'est pas là, on aimerait bien prendre sa place. La reine, on n'est pas d'accord avec elle. Et puis les villes environnantes, Mycène hein, ou Thèbes en premier, qui ont toujours été un peu les ennemis d'Athènes.
parce que Sparte, en fait, est aussi un peu l'ennemi, parce que, comment dirais-je, Ménélas est le fils, est le frère de, d'Agamemnon. D'Agamemnon, voilà. Lacédémone. Et lui aussi est mycénien. Donc, voilà, on a trois grosses cités qui sont un petit peu à l'affût du moment. Donc, voilà, vous comprenez tout de suite que ça va créer des intrigues politiques, des trahisons, de la diplomatie, et les joueurs vont faire de tout ça. Et à l'intérieur de ça, ben voilà, il va y avoir des crimes, donc des enquêtes, des scénarios. Donc toi, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est dans la mythologie grecque ou même d'ailleurs pour Impérateur, on va faire exactement les mêmes types de scénarios que dans n'importe quel autre jeu de rôle. Donc ça sera de l'aventure, de la découverte de nouveaux territoires. Partir à la recherche d'une quête, faire des enquêtes, comme tu l'as vu dans le scénario qui est dans le livre de base, ça se passe pendant les Jeux Olympiques. Et oui. Bon, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait focus sur les Jeux Olympiques pour expliquer comment ça se déroulait. Et puis, il y a un événement qui se passe, il y a une enquête. Et dans Antica, une des particularités, c'est que les enquêtes, enfin, les intrigues, de façon générale, elles ont plusieurs niveaux. Elles ont un niveau humain, elles ont un niveau au niveau royal. Politique, ouais, politique cité. Politique ouais. Un peu... méta. Voilà. Et puis, vous avez le côté politique divin. Donc, vous avez ces trois échelons qui font que chaque choix que vous allez faire va forcément avoir un impact sur l'un ou plusieurs de ces échelons. Oui, parce que c'est parce qu'on l'a pas précisé, mais dans Antica comme dans la mythologie grecque, quand vous avez les faveurs d'une divinité ou plusieurs, vous aurez des faveurs d'autres. Et ça va se ressentir en termes de mécanique, de ce que j'ai vu, etc. Donc, Tous les scénarios, déjà le groupe ne sera pas constitué de la même ascendance. Donc, au sein du groupe, on aura déjà des divergences de divinité. Même si les personnages et les joueurs s'entendent bien, leurs divinités peuvent très bien ne pas s'entendre. Ce qui fait que, au sein d'une mission, certains joueurs vont se retrouver avec des dilemmes en disant « Ah, il faut que je fasse ça, ouais, mais ça va pas plaire à mon dieu. » Et au final, il faudra toujours choisir, parce que dans pratiquement chaque aventure, il y a toujours un dieu qu'on va servir et on va s'en mettre un ou deux à dos. Donc, le scénario d'après, il va falloir faire amende honorable avec ceux à qui on s'est mis à dos, et puis on s'en remettra d'autres à deux. Enfin, voilà. Alors non, c'est pas Innomine Satanis Magna Veritas. Enfin, ou alors, c'est plutôt Innomine Satanis qui a pompé la mythologie grecque. Voilà, la religion chrétienne, j'allais dire. Encore autre chose. Mais quand tu vois la guerre de Troie, oui, c'est quand même la bombe de la discorde qui fout le bordel. Oui, voilà. Mais dès lors, oui... Enfin, je vais spoiler. En fait, c'est même Zeus, à la base, qui fout le bordel. Parce que tout est... Ah bah oui, il s'ennuie à chaque fois, de toute façon. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Peut-être qu'on va passer sur l'impérateur aussi. Oui, voilà ce que j'allais dire, parce que je pense qu'on on a déjà parlé, effectivement, de tout ce qui allait sortir encore, de ce qui est en cours et tout, donc tout ça c'est bon. De toute façon, pour parler plus en détail, c'est quand on chroniquera la gamme, et pour Antica, et pour Impérateur, donc c'est pour ça qu'on ne rentre pas trop dans le détail non plus. Et donc, Impérateur, pareil, puisque tu as d'abord fait Antica, comment est né le projet Impérateur ? Impérateur, en fait, j'avais envie en fait de poursuivre, la Grèce, voilà, c'était de poursuivre sur la lignée romaine, mais j'avais pas envie de faire un copier-coller avec la mythologie romaine, etc. Donc je me suis dit, je vais aller sur de l'historique. Pour le coup, bon, puis Frédéric Dorne, voilà, vous l'a dit lorsque vous l'aviez interrogé, donc je suis allé le voir, puisque en fait il m'avait proposé à ce moment-là, c'était au moment où on ne savait pas par rapport au ludopathe, donc il était venu me voir pour reprendre les droits sur Antica, et je lui ai dit non, parce que c'est parti, je vais poursuivre tout seul. Par contre, je lui ai proposé ma nouvelle idée.
Il m'a dit oui, et puis voilà où on en est, quoi. Ouais, c'est une grosse gamme, quoi. Bon, on va voir ça après, ouais. Donc là, si je parle de game design, j'ai créé un système de jeu et pour me rendre compte, quand j'ai fait tester un de mes joueurs qui était maître de jeu à Vampire, il m'a dit « Ah bah t'as refait le système de Vampire voilà. ». Caract plus attribut, nombre de dés à jeter, voilà. Mais c'est bien, c'est un bon système. Enfin, moi, je sais que j'aime bien ce système. Donc, bon, par contre, j'y ai rajouté un truc, parce que moi, ce qui me gonflait un petit peu dans Vampire ou Loup-Garou, etc., c'est que le niveau d'expertise dans la compétence n'était jamais pris en compte. Donc moi, j'ai rajouté un petit tableau, là, à deux entrées, qui prend en compte en fait ce niveau d'expertise qui fait que le seuil de difficulté sera différent selon que vous êtes expert ou ignare dans le domaine. Et pour l'anecdote, en fait, quand j'ai testé le système lors d'une convention en Bretagne, je suis tombé sur une table de joueurs qui étaient super fans de Vampire et qui m'ont demandé s'ils pouvaient me repiquer le tableau parce qu'ils trouvent ça. C'est bien. De toute façon, de toute façon, c'est toujours pareil, le système. Quand tu arrives à l'adapter à tes envies, des choses peut-être plus faciles à gérer. Parce que c'est vrai que moi, j'adore le storyteller système, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent maintenant. Mais il avait toujours plein de défauts. Hein. Je crois qu'il l'avait corrigé avec Exalted à l'époque. Hein. Bon, en fait, on remonte aux années 2000, quoi. En fait, le problème, c'est que ceux qui gonflaient leurs attributs avaient déjà beaucoup de dés, et même s'ils avaient zéro dans les compétences ou un dans les compétences, ils allaient avoir mécaniquement des chances. Ils allaient lancer systématiquement toujours beaucoup de dés, parce que forcément, les attributs, il y en a moins que les compétences. Mmh. Et le seuil était à 6 pour tout le monde tout le temps, donc ça n'avait pas trop d'intérêt. Alors que moi, dans Impérateur, comme je dis, si demain on faisait un combat entre Bruce Lee et puis Schwarzenegger à la Belle Époque, Schwarzy, ok, il va avoir peut-être 5 en corpus et puis il aura peut-être 1 en baston. En face, on aura peut-être un gringalet. Par principe, je vais dire un. Ouais. C'est pas la carac que je lui donnerai, mais un. Mais par contre, il aura 5 dans la compétence armature, donc combat. Donc tous les deux lanceraient 6 dés, sauf que Bruce Lee, il faudra qu'il fasse 3 ou plus pour avoir des réussites, et Schwarzy, il faudra qu'il fasse 7 ou plus. Donc on voit tout de suite que l'avantage, il est sur les compétences. Oui. Voilà. Ça semble un point plus logique, ouais. Enfin, surtout quand tu veux faire un petit peu plus historique, effectivement. Et donc, pour revenir sur Imperator lui-même, donc, c'est arrivé quand c'est 2019, hein, je crois, de mémoire, hein, Imperator. Alors, moi, je l'ai proposé juste avant le Covid. Ouais, c'est donc, ça. Ça m'a laissé le Covid pour écrire le livre de base et L'Aigle de Rome, donc la première campagne sur la vie de César. Donc, ça, c'est les derniers qui sont sortis, ça. C'est l'avant-dernier, ça. C'est même pas les derniers, c'est l'avant-dernier. Depuis, ça fait donc 3 ans, et en 3 ans, on doit être à 9 suppléments, puisque on a donc le livre de base, L'Aigle de Rome, donc la campagne de César. On a la Judée, avec une campagne sur la naissance du Christ et le début du christianisme. On a Pompéi, où je décris la ville de Pompéi maison par maison, sur le modèle des suppléments de Cthulhu qui étaient pour chaque cité. Les légions d'Arkham. Donc, comme je suis fan aussi de Cthulhu, donc forcément j'ai repris, je trouvais que le modèle était approprié. On a fait Rome également, donc sur le même modèle.
Donc c'est, ça sert de bac à sable en l'occurrence hein, pour Pompéi et Rome. Hein, c'est vraiment on décrit la ville. Il y a plein de personnages avec plein de petits synopsis de scénarios ouais. et puis quelques scénarios en fin de bouquin. L'Afrique, hein, donc l'Afrique du Nord, donc c'est Tunisie, enfin c'est tout le Maghreb. Ifriqiya, ouais. Voilà, Africa. Et puis, les derniers suppléments qui sont sortis, c'est donc Rome et Septimontium. Alors Septimontium, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un de mes collaborateurs, donc Pascal Broxol, qui a fait 7 scénarios qui se déroulent chacun, enfin un scénario par colline de Rome. Mmh. Donc voilà. Et puis et Germanie. Donc chez les barbares. Regardez la série Barbares. Ça se passe exactement à la même époque. Ça vous mettra justement dedans. Donc c'est la révolte d'Arminius, hein, tout simplement. Mmh. Et on va tourner autour de ça. Les prochains, parce que ce qui est déjà écrit, il y a l'Égypte et un bestiaire. Mmh. Donc ça, c'est le prochain financement qui va avoir lieu. Ensuite, j'ai déjà fait la campagne d'Auguste, la Gaule, un gros supplément. Ouais. Les Gaules, ouais, plutôt. Ouais, les Gaules, ouais, les quatre Gaules, hein, la Gaule cisalpine, ouais. La Narbonnaise, la Lyonnaise, la Belge, et puis et l'Aquitaine. Et je suis en train d'écrire la Britannie. Puis là, en reste, hein, t'as encore les Parthes. T'as la Dacie, enfin, Il resterait, bon, en théorie, il resterait l'Espagne, donc l'Hispanie, la Dacie, les Parthes, mais bon, moi, j'écris que si je trouve suffisamment de sources, et il y a aussi la Grèce, hein. Mais le problème, c'est que l'Espagne et la Grèce, par rapport à la période où moi, je propose de faire jouer, donc moi, je propose de faire jouer entre moins 100 et plus 100, c'est ce que j'allais dire, ouais, la période historique. Ouais, voilà, et donc la Grèce, elle est déjà conquise déjà depuis longtemps. L'Espagne, elle a déjà été conquise durant les guerres contre Carthage, donc les guerres puniques. Donc en fait, ça fera peut-être l'objet de fascicules, hein, où on va décrire une ou deux cités et puis faire quelques scénarios. Mais pour l'instant, j'ai pas. Enfin, pour l'instant, c'est notre état de réflexion avec Frédéric. Mmh. C'est probablement après la Grande-Bretagne, la gamme se. Enfin, j'aurai à peu près terminé et on fera des petits suppléments de scénarios. Moi, j'ai envie d'en faire un sur la Chine, hein, puisque on sait qu'il y a eu une légion qui a été jusqu'en Chine. Il y avait des émissaires chinois à la cour d'Auguste, lors du couronnement d'Auguste. Donc voilà, j'aurais abordé un petit peu la route de la soie, quoi. Il y a une grande campagne aussi que j'ai envie d'écrire. Parce que là, comme j'ai fait Auguste, je voudrais poursuivre sur la fin des Julio-Claudiens, donc avec le règne de Tibère, Caligula, Claude et puis Néron. Parce que bon, Néron, Caligula, c'est 4 ans de règne, à peu de choses près, donc c'est pas énorme. Mais d'avoir une vision, donc ça c'est ma réflexion, par le biais des femmes, c'est-à-dire Livy, Messaline, Agrippine, puisqu'elles elles survivent plus ou moins à leur mari, à leur fils, qu'elles montent sur le trône, enfin voilà. Et donc jouer un scénario assez finalement politique probablement, avec ces femmes au pouvoir, et puis c'est aussi une façon de faire voir qu'on peut jouer en impérateur des femmes de pouvoir de premier plan, mais c'est vrai que une femme va pas aller faire un discours au Sénat, donc bon, il faut toujours faire un artifice avec un époux sénile qu'elle tienne. Oui. Manipule. Même s'il n'est pas sénile, hein, il suffit juste d'être un peu con, hein. Ça marche aussi. Hein. Ou totalement amoureux. C'est ce que je dis, un peu con. Non, plus sérieusement, non, sinon tu peux aller chez ce qu'on appelle les barbares, ceux qui ne sont pas encore
citoyen romain, donc il y a de quoi faire. Hein. Si tu vas en Numidie, Ifriqiya et autres, il y a quand même. Bah, la Numidie, pas mal de on les voit déjà, mais avec l'Égypte. Hein, et puis dans la campagne sur l'Égypte, vous allez faire une exploration en terra incognita en Afrique noire, tout au sud. Aux sources du Nil, hein, donc après la deuxième cataracte. Voilà, c'est ça. pays de couche, comme on dit. C'est ça. À l'époque. Il ouais, y a beaucoup de choses, hein, de toute façon. Donc toi, tu as choisi exactement cette période, tu dis entre moins 100 et plus 100. Moins 100 et plus 100. Alors, ouais, moins 100, tout simplement parce que quand tu prends la campagne de César, César est né aux alentours de moins 100. Et donc, la campagne, elle commence quand il a 14 ans, voilà, jusqu'à sa mort. Et puis, ensuite, le règne d'Auguste est intéressant parce que c'est le moment, c'est la bascule. La bascule où on passe de la République à l'Empire. Ouais. Et ensuite, on a toute une période de succession d'empereurs, comme je le disais, Tibère, Caligula, Néron, Claude. Alors Claude, là, je suis en train de pas mal de le travailler, puisque c'est lui qui engage la conquête de la Bretagne, de la Grande-Bretagne. Et puis après, en 69, on a l'année des quatre empereurs. Donc, vous avez quatre empereurs en une seule année pour finir avec Vespasien. Et voilà, je pense que quand on a fait ensuite, une fois qu'on fait le règne de Vespasien et de son fils Titus, on arrive à plus 100, quoi. Et on a fait je vais pas dire l'essentiel, mais je trouve la partie la plus intéressante. L'Empire est à son apogée. Ouais, c'est 117 avec Trajan. Hein. Oui, Trajan après, 117 en fait, avec les guerres d'Acie. Et puis après Adrien, voilà. Mais après le système de jeu, toute façon, est valable. Si vous voulez, vous pouvez continuer de jouer en 200, en 300. Si vous voulez jouer à la période du film Gladiateur, parce que c'est Marc Aurel et Commode, système de jeu fonctionnera toujours. Hein, je veux dire, c'est juste qu'après, je peux pas faire de continuité parce que. Je peux plus faire de continuité historique parce qu'il y a vraiment plein d'empereurs où c'est pas forcément très intéressant. Enfin, 117 en fait, c'est la. Ouais, parce que 117, c'est la. On va dire, c'est historiquement, c'est daté comme la fin de l'optimum. Ouais, voilà. La fin de l'optimum. Donc, il est construit en 122 et en 140, ouais. C'est le mur d'Antonin. Ouais, donc, on est vraiment au plus. Au maximum de l'extension. Et après, c'est la fin de l'optimum climatique, hein, puisqu'on sait que le climat a pas mal changé, qu'il y a eu les migrations, que le système s'est sclérosé, plus de conquêtes. Donc bref, c'était un peu le bordel. Et puis je crois que c'est le troisième siècle, hein, qui est le siècle complètement pourri pour l'Empire romain. Enfin, c'est-à-dire, il meurt quand on est au début du déclin. Quoi, hein, donc... Ouais. Où c'est des successions d'empereurs tous les 6 mois, dans tous les sens, quoi. Oui, puis c'est un moment où on a quatre empereurs à chaque. Enfin, vous avez deux empereurs d'ailleurs. C'est déjà le prémisse de la rupture avec l'Empire de Constantinople et puis l'Empire de Rome. Quoi. C'est du fait de l'existence, de cette coexistence de deux empereurs et de co-empereurs, de César et de Auguste. Et t'as voulu, comme dans Antica aussi, pareil, mettre de l'historique en contexte, avec des accroches de scénar, ça aussi, c'était une volonté que t'avais ? Oui, c'est vrai, tout à fait. Le but, c'était de rester sur de l'historique pour proposer, en fait, faire une offre différente de ce qui existe. Quoi. Et quand tu fais une région, justement, tu fais plusieurs époques, tu proposes plusieurs époques, ou c'est comme la Judée, par exemple, c'est vraiment la période Jésus, quoi. Alors, dans les suppléments, je n'avais pas compris ta question, dans les suppléments, je décris, par exemple, là, si je prends celui que je suis en train d'écrire, donc sur la Bretagne, je commence, j'explique déjà avant l'arrivée romaine,
qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Ensuite, je décris toute la période, généralement jusqu'à la fin de l'Empire. Donc, vous avez quand même toute la timeline, même qui va au-delà de toute façon de la période où je propose le jeu. Donc, ça veut dire que vous avez les éléments, en tout cas, de jeu pour jouer après. Ensuite, je décris généralement des... Enfin, par exemple, pour la Gaule ou la pour la Gaule et puis l'Égypte et puis la Grande-Bretagne et la Germanie, on a décrit la religion, parce qu'ils ont une religion particulière. Ensuite, on a décrit entre 5 et 10 peuples spécifiques. Dans le livre de base, vous pouvez décider de jouer, par exemple, un Breton, un Gaulois ou un Germain. Enfin, Gaulois, déjà, on peut choisir Aquitain, etc. Ouais. Mais bon, mettons, si je prends la Germanie, vous pouviez choisir un Germain, mais avec le supplément Germanie, vous allez pouvoir choisir, est-ce que vous jouez un 4, est-ce que vous jouez je commence à fatiguer, je m'excuse. mais bon, voilà, vous avez 6 ou 7 peuples qui vous sont proposés. Pour la Grande-Bretagne, je vais vous proposer les Icènes, des Trinovantes, des Canti, des Pictes, des Gaëls, hein, donc d'Hibernie, etc. Quoi. Mmh. Donc, on va pouvoir aller un peu plus... Hein. Ouais. Dans le détail avec des spécificités vraiment liées à ces tribus, parce que certaines vont être beaucoup plus je sais pas, maritimes et d'autres vont plutôt conduire des chars, etc. Certains vont avoir une arme de prédilection, voilà. Donc, oui, ça, c'est selon les environnements, les cultures, ouais. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, on décrit généralement quelques villes, hein, 3-4 villes gallo-romaines. Qui font des hubs, quoi. Voilà, donc où on va avec des personnages à l'intérieur, quelques idées de scénario, et puis on termine avec soit une série de scénarios. Pour la Gaule, c'est plutôt une série de scénarios, et dans d'autres cas, c'est une campagne. Dans la Judée, par exemple, c'est plutôt une campagne. Oui, c'est comment voir comment une petite secte juive a fini en religion d'État. Voilà, c'est ça. Toujours intéressant. C'est aussi un point de bascule. Hein. C'est pour ça que c'est un des premiers aussi campagne que je voulais faire. Parce qu'on ne conçoit pas un péplum sans christianisme. Oui. Hein, Covadis, Spartacus. Alors Spartacus. C'est pas logique hein, qu'il y ait des chrétiens dans Spartacus. En moins 70. mais il était déjà là dans nos cœurs, que veux-tu ? C'est la puissance de Dieu. C'est comme ça. Mais non, tu pourrais mettre du mitraïsme après tout, parce que ça s'est joué à rien. Alors, il y en a, puisque je parle justement des sectes, parfois, selon les suppléments, mais le culte de Mitra, j'en parle dans plusieurs scénarios, et d'ailleurs dans la campagne des fils de Romulus, et ça tourne autour en fait du culte de Mitra. Donc. Parce que si Constantin n'avait pas gagné, c'était le mitraïsme, la religion d'État. C'était ce qui était. Alors là, je vois une petite question qui est intéressante. Quand il manque certains éléments factuels dans ce que tu écris, est-ce que tu choisis une interprétation possible ? Est-ce que tu proposes ça justement dans les suppléments ? Ou c'est l'interprétation des joueurs, du coup ? Alors, en fait, je comprends pas tout à fait la question. C'est-à-dire que quand t'écris, comme ça je le comprends, hein, Olive corrigera, c'est-à-dire que quand t'écris, par exemple, sur une région donnée, tu fais une petite chronologie et tout, qu'il te manque certains éléments, est-ce que tu donnes des pistes pour pouvoir développer ? C'est plus dans ce sens-là. Généralement, justement, c'est sur les blancs de l'histoire ou les noirs de l'histoire que je vais pouvoir broder les campagnes, les scénarios, etc. Parce que sur la partie historique, on va avoir un début, on sait pourquoi la guerre va avoir lieu, par exemple. On sait qu'elle se termine, voilà, mais on ne sait pas ce qui s'est passé au milieu. Bon, ça laisse libre cours à notre imagination pour broder. Et le tout, c'est que on arrive de A à B, quoi.
Enfin, idéalement. Après, j'ai rien contre hein, les Uchronies, hein, mais après, il faut que le maître de jeu il puisse gérer l'Uchronie que ses joueurs sont en train de lui. Faut y aller. Mais ouais, on peut avoir par exemple un complot politique qui met en place le gouverneur incompétent qui a mené à la magnifique bataille de Kars. Oui, où il part pour expliquer aux Romains comment ça marche. Mais bon, voilà. Après, faut pas non plus brider les joueurs. Si moi, je sais que dans la campagne de César, j'ai un joueur dans un des scénarios, César leur demande en fait de faire les premières tractations pour qu'il puisse épouser sa deuxième épouse. Donc, il faut que les joueurs aillent voir le père de la demoiselle, etc. Et j'ai un joueur qui dit, bah, j'ai le même âge que César. C'est un beau parti et finalement c'est lui qui l'a épousé quoi. Donc ils ont changé un peu l'histoire. César finalement ne se mariera pas trois fois, il se mariera que deux fois, mais parce que j'ai un joueur qui a épousé sa deuxième, normalement sa deuxième épouse. Il lui a soufflé. Mais quelque part, voilà, ça change pas foncièrement l'histoire. Donc en fait, on retombe très rapidement sur la timeline historique. Et alors, il y a bien toujours ces quatre petits villes, ce petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, hein, c'est ça? Alors, oui et non. C'est-à-dire que vous trouverez là aussi sur la scénariothèque un scénario qui s'appelle le bouclier Arverne que j'ai écrit, c'était pendant le Covid, pour faire jouer des potes pendant le Covid, et c'était en hommage à la mort du Derzo. Et vous pouvez le faire jouer soit de façon sérieuse, soit de façon bourpif. BD. Voilà. Et vous allez prendre des baffes parce que vous jouez pas les Gaulois, vous jouez les Romains. Ah oui, ah ouais, non, j'ai pas envie de jouer César du coup. Ah non, je vais pas prendre des baffes, moi. Je vais manger du sanglier avec. Voilà. Et du coup, donc, les types d'aventures, on l'a déjà évoqué avec Antica, hein, c'est pareil, l'Impérator, on peut jouer un petit peu. Peut-être plus orienté politique quand même, je pense. C'est la forme de historique, oui, en tout cas, quoi, j'allais dire. Quand même beaucoup, enfin, l'intrigue politique, elle est quand même omniprésente, en tout cas sur les campagnes, beaucoup de campagnes déjà écrites, même si c'est pour ça que j'essaye de temps en temps, quand le lieu le permet, d'y mettre un petit peu autre chose. Enfin, sur l'Égypte, on est sur la campagne, la guerre entre Marc-Antoine, enfin, c'est pas dans la campagne d'Égypte, tu vois, je dis une bêtise, c'est sur Auguste. Et donc, dans la campagne d'Auguste, donc, durant sa guerre avec Cléopâtre et Marc-Antoine, bon, on est quand même beaucoup sur de l'intrigue politique, d'autant plus qu'Auguste n'est pas un conquérant, à la différence de César. Oui. Beaucoup. Politicien. Et donc, il fallait de temps en temps donner aussi des moments de respiration dans la campagne. Et c'est là où j'ai justement fait un scénario un petit peu, voilà, de mon cru, où les joueurs partent à la recherche du trésor de Salomon, remontent le Nil. Et donc, voilà, on a une partie un petit peu, voilà, de quête, de découverte. Voilà, et ça permet de plus mettre vraiment, quoi. Au sein de ces intrigues politiques, quoi. Ouais, mais un peu plus pulp entre guillemets, quoi. Oui. Tu pars dans les terrains incognita et tu fais muse, quoi. Enfin, muse, on se comprend. Oui, mais bon, toujours en reprenant, voilà, l'histoire de la reine de Saba, de la reine du roi Salomon, on est quand même sur les mêmes territoires, donc justement. Le pays de Kouch, les joueurs vont le traverser, vont découvrir une nouvelle culture. Parce le Punt. Kouch, voilà, du Punt. En plus, c'est un matriarcat, donc ça permet aussi de faire voir que les femmes peuvent aussi avoir un pouvoir dans cet univers. Voilà, donc voilà. Si tu mets sur les Nubiens, bah, ce sera dans Aegyptus, du coup. Égypte, ouais, tout à fait. Ouais. Donc je ferai suivre à Manu s'il ne regarde pas, en tout cas qu'il ferait un joli panoramix. Oui, c'est vrai que la barbe aide beaucoup, hein. J'avoue qu'il nous en rend, ça, il nous, enfin voilà, il est doué, c'est beau. C'est vrai qu'on n'a pas parlé pour le coup de comment t'as adapté ton système de jeu cette fois-ci pour Imperator,
puisqu'il n'y a pas les dieux. Hein. Tu me disais qu'il y a peut-être, voilà, tu as des possibilités de mettre du fantastique, mais ce n'est pas vraiment la proposition de base, en tout cas. Non, donc, comment tu as twisté ton système du coup, pour Imperator? Bon, les dieux sont là dans la mesure où les joueurs les prient, mais tu en fait, tu rends hommage, ouais. Voilà, mais ce sont pas des dieux interventionnistes. C'est-à-dire que bon, je laisse la possibilité au maître de jeu, dans des certaines circonstances, etc., s'il veut faire intervenir une divinité, voilà. Mais normalement, on est plutôt sur des créatures, si on veut rester sur un peu de fantastique, ça va être des créatures. Donc, on va retrouver des démons, puisqu'il y a du kabbalisme, la kabbale juive. Dans la campagne de Jésus, les joueurs vont être confrontés aussi aux anges, à l'archange Gabriel. Donc voilà, alors normalement l'archange n'est pas censé intervenir, mais si les joueurs décident de poursuivre Joseph et Marie dans le désert pour les tuer avant qu'ils arrivent en Égypte, ils vont avoir une drôle de surprise, c'est tout quoi. Donc voilà, mais après en Germanie on a des créatures, c'est plus des créatures totem, quoi, en fait, qui vont. Alors là, j'ai fait un petit lien avec Irminsul, donc l'arbre sacré des Saxons, parce que bon, finalement, les Germains, c'est ce qui a donné par la suite les Saxons, et ils ont une culture qui était relativement proche des Vikings, donc Yggdrasil chez les Vikings, Irminsul chez les Saxons. Donc la campagne, il y a quelques scénarios qui se déroulent un petit peu dans. Ouais, puis les panthéons, de toute façon, des différentes divinités de toutes ces cultures sont à peu près les mêmes quelque part au niveau des avatars. Oui, et puis de toute façon, les Romains assimilaient en fait les religions, comme c'était une religion polythéisme, ça leur posait pas de problème d'intégrer dans leur panthéon une divinité ou une autre de plus. Puis quelque part, ça leur facilitait aussi la tâche pour assimiler les peuples conquis, parce que finalement, on leur disait pas votre religion, elle est interdite, maintenant vous prenez la nôtre. Ce dieu-là, vous l'appelez comme ça. Bon, bah, nous, on l'appelle Jupiter ou Mars, c'est pas grave. C'est le même avatar. Non, mais après, ce qui est historiquement vrai, c'est que comme on est tous des descendants d'Indo-Européens, que tu d'Inde jusqu'en ici, tu retrouves plus ou moins les mêmes avatars, quelles que soient les cultures. Il y a des détails qui changent, mais c'est à peu près pareil, quoi. Et il y a toujours, effectivement, ces nouveaux dieux qui remplacent les anciens. La guerre des titans, etc. C'est ce que tu retrouves un peu partout. Donc pour oui, le crossover, effectivement, Olive. Je vais apparaître un petit truc. La religion romaine a inventé le crossover. Oui, enfin les Grecs étaient déjà bien amusés aussi. Hein. Voilà. Les Juifs aussi d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont bien pompé à droite à gauche du déluge, etc. Bon, bah, on va pas refaire l'histoire. Donc tout ça pour dire, donc, au niveau du système, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé pour jouer dans la République puis l'Imperium romain? Le système de jeu, on l'a expliqué tout à l'heure. Je n'ai pas grand chose d'autre à en rajouter. Hein. On additionne les dés, on lance. Il faut faire plus que le seuil et le nombre de. Ouais. On annonce le nombre de réussites et le maître de jeu interprète. Les 10, comme je ne veux pas qu'il y ait de relance, les 10 vaut 2 réussites. Et puis les 1 annulent une réussite. Donc il faut juste 2 1 pour annuler un 10. Voilà. Après, ce que j'ai rajouté, c'est des points de gloire. C'est un petit peu comme les points de destin ou les points d'héroïsme ou les points de force dans Star Wars. Oui, c'est que t'as plus du bris, quoi, du coup, c'est pour ça. Non, t'as plus du bris. Ouais. Et c'est ce qui va permettre aux joueurs aussi de faire des actions héroïques. Puisque avec un point de gloire, vous pouvez soit avoir un dé supplémentaire ou vous pouvez multiplier par 2 vos réussites. Sauf que forcément, il faut le dépenser avant de lancer les dés, sans savoir si vous aurez des réussites. Voilà. Donc c'est un coup de bluff.
Et puis, on peut aussi les utiliser pour survivre à un coup mortel, hein, sachant que, il faut 3 points de gloire pour sauver, un point de corpus. Donc, si vous avez 5 points de corpus, il faut 15 points de gloire si vous voulez rester intact. Sinon, vous perdrez, un bout de vous, hein. Un bras, une jambe, Oui, une sur la oreille. Castatox, Et c'était plus compliqué quand même pour récupérer. voilà. Et ça expliquera, cette perte de corpus. Et puis, ces points de gloire, vous pouvez les donner au groupe. C'est-à-dire que, ce que je souhaite, hein, dans Antica, dans Impérator, c'est qu'on joue un groupe uni. Quelle que soit l'origine d'où on vient, on est là, on travaille pour la gloire de Rome. Donc, alors, on peut être un ancien esclave, on peut vouloir se venger, d'un général romain parce qu'il a massacré son village, mais c'est ce général. En attendant, j'ai été esclave et j'ai compris quand même ce que peut apporter, la La Pax culture Romana. romaine et Rome. Donc, j'accepte en fait. De servir le maître qui peut-être m'affranchira ou m'a déjà affranchi. Et donc, on va créer, en fait, le groupe, ça va être une gens, une famille, au sens élargi du terme. Donc, c'est ça la partie peut-être la plus difficile au moment où enfin, difficile, à créer, quand on crée le groupe. Après, c'est relativement facile, en 2 coups de cuillère à peau. On peut très facilement dire, pourquoi dans le groupe j'ai un Picte, j'ai un Syrien et j'ai un Égyptien, autour d'un sénateur romain et d'un gladiateur. Le plus simple, hein, c'est de dire, les trois, le Picte, le Germain et l'Égyptien, c'est des esclaves. Peut-être qu'ils ont déjà été affranchis, etc. Ils appartiennent à la famille, du sénateur. Et puis, le sénateur, à l'époque, on achetait, pas que des chevaux de course, on achetait aussi des gladiateurs. Et les Tout à gladiateurs, fait. ils pouvaient servir de garde du corps. Donc, voilà, en l'espace de 2 minutes, là, on crée déjà un lien. Bon, après, il faut Mais l'étoffer. tu Faut conseilles l'étoffer avec effectivement le que groupe. tu conseilles que la création de la gens, enfin la gens, elle se fasse avec tous les joueurs en même temps, pour pas qu'il y ait chacun qui fasse sa fiche dans son coin. Non, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est mieux que les gens s'entendent, Dès le début. tout simplement parce que le fait de dire, tu vas jouer un esclave de un tel, ça peut porter, voilà, à la confusion. Bon, après, ce que je dis toujours dans toutes les interviews, on ne joue pas des esclaves, c'est pas des esclaves du XVIIe siècle, on ne joue pas des Mais c'est esclaves pas les mêmes, miniers. ouais. On ne joue pas des esclaves miniers, on ne joue pas des esclaves, agricoles. Non, c'est pas Si les serfs. vous pouvez être un esclave grec parce que vous êtes médecin ou cuisinier et votre maître, il vous Érudit, a acheté, philosophe. voilà, ou philosophe. Donc, en tant que philosophe, vous allez éduquer les enfants de la famille. En tant que Oui. médecin, vous êtes le médecin de famille. Les tarifs, parce que les tarifs, on les a historiquement, quelquefois, c'est plusieurs dizaines de millions de sesterces. Donc, un esclave qui coûte des millions de sesterces, c'est comme quand vous achetez un chien de race, plusieurs milliers d'euros, vous n'allez pas lui foutre, votre pied au cul parce qu'il a, il a mangé votre chaussure. Ou... ben, je veux dire, voilà, je veux dire. C'est un coup de pied au cul de millionnaire, quoi. oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Voilà, il ne faut pas être dans ce contexte-là. Et puis bon, le maître de jeu, pour le coup, même si je suis contre les X-Cards, le maître de jeu doit mettre un petit peu la police. Il ne faut pas qu'il y ait un ascendant l'un sur l'autre. Et on peut jouer très bonne intelligence. Et là, je renvoie à la série Rome, où on voit Oui, ce que très j'allais dire, on bien, l'a pas encore cité, ouais. voilà, on voit très bien, que César et Posca, donc son esclave, qui est son secrétaire. Et son secrétaire, il signe pour César quand César n'est pas là. Il est au courant de tout. Et César, ça lui viendra même pas à l'idée d'aller le frapper, sauf si l'autre devait lui manquer de respect. Enfin, je veux dire, Il ouais, donc à faut partir. se méfier effectivement de l'image de l'esclave qu'on a de nos jours et puis déjà, puisqu'il a été vécu après, hein,
Parce que l'esclave, comme tu dis, au 17e, au 16e, bonjour l'angoisse. Oui, je suis d'accord. L'esclave de l'Antiquité, c'est autre chose. Alors après, attention, ils n'avaient pas tous la vie facile. Hein. On va pas non plus dire que c'était tout merveilleux pour eux. Non, ça dépendait, comme tu dis, ça dépendait des métiers dans lesquels tu avais des esclaves. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que les joueurs, les carrières qu'ils vont incarner font que ils feront partie de ces esclaves haut de gamme. Voilà, donc. Oui, puis tu peux faire aussi des otages, c'est-à-dire les fils de chefs de tribus barbares et autres qui sont pris à Rome avec l'éducation romaine. Tout à fait. Ça fonctionne après, aussi. Voilà. Tout à fait. Mais après, c'est là aussi que c'est important au moment de la création. L'esclave, franchement, plus intéressant que le chien, rapport qualité-prix. Bah oui, ça dépend. Ouais, oui, quand même. Bah oui. Mais ça dépend pour quoi faire, pour chercher des trucs. Ouais, voilà. Vaut mieux avoir un chien. Bah oui, c'est mieux le toutou. Mais. Ou alors plusieurs esclaves pour labourer le champ. Je ne veux pas savoir. Ou alors ton esclave, il a un nez, dis donc, bonjour. Hein. Non, bref. Bon. Soyons sérieux. Non. Plus... Qui t'a dit qu'on était sérieux ce soir, sans déconner. Comme quoi on peut rire avec l'histoire. Mais oui, mais bah heureusement, parce que sinon, purée. Bonjour, donc... nous sommes ici pour parler d'Imperator. Vous allez apprendre des choses sur l'Empire romain, ce sera merveilleux. Là, je suis un peu Anadeco. Ouais. Mais c'est vrai que bon, j'en reviens simplement au fait que vous avez des esclaves confinés empereurs, enfin proconsuls, que vous prenez les esclaves de Claude, qu'il a affranchi à la mort de Claude, étaient les hommes les plus riches de Rome. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et il faut bien comprendre qu'un esclave, lorsqu'il participe à l'élévation du statut de son maître, il participe à sa propre élévation de statut, puisque quand son maître va l'affranchir ou quand son maître va mourir et va affranchir son esclave, généralement, quand il y a une bonne entente entre l'esclave et le maître l'affranchit à sa mort, ou même avant, eh bien, l'esclave va avoir acquis ce statut. L'ascenseur social aura fonctionné aussi pour lui, en même temps qui portait peut-être son maître sur le dos, mais en attendant, il aura monté les échelons en même temps que son maître. Et c'est ça qu'il faut juste prendre en considération. Et quand on joue comme ça un groupe, ça veut dire que ça ne diminue pas le rôle d'un joueur par rapport à un autre au sein du groupe. C'est une cohésion d'équipe. Et donc, ces points de gloire, ils peuvent être mis justement en point de gloire de groupe, c'est-à-dire que vous enlevez votre point de gloire perso pour le mettre au groupe, et tout le monde va pouvoir l'utiliser. Oui, aussi, c'est possible. Je lis, hein, pour ceux qui, voilà, qui nous écouteront, l'esclave à plus d'un million de sesterces, c'est celui qui trouve les truffes. Oui, effectivement, on est d'accord. Ouais, bon. Les types de scénarios, bon, ça on a déjà dit, c'est bon. L'avenir de la gamme, bah, tu nous as expliqué ce qui allait sortir. Je pense qu'on a fait quand même plus ou moins le tour. Juste pour savoir, donc l'élément fantastique, si on veut rajouter, à part les monstres, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, des cultes, un petit peu de magie, peut-être des trucs comme ça Oui, si on veut, hein, on n'est pas obligé. Quoi, hein. Tout à fait. Alors après, donc vous, en tant que personnage, vous pouvez jouer des occultistes, donc des sorciers, des fascinateurs, des druides. Des kabbalistes, donc forcément il y a de la magie. Alors moi je la décris parce que je la décris sous forme de sorts façon Donjons et Dragons parce que c'est plus facile en termes de règles de les décrire sous cette forme là, mais dans la réalité par exemple si je jette un charme de fascination à quelqu'un et que la personne va être mon esclave va faire ce que je vais lui ordonner, c'est ce que les gens vont voir. Donc, je suis un sorcier ou un enchanteur. La réalité, c'est que je suis juste peut-être mesmer et je l'ai hypnotisé et puis voilà. Hypnotisme ou, plus les bonnes herbes qui vont bien, quoi. Voilà. Bon, il y a plusieurs types de magie, c'est-à-dire que selon que vous êtes un kabbaliste, la magie, vous la ferez au fond de votre cave, dans votre cercle magique,
de protection, vous invoquerez un démon et c'est le démon qui agira à votre place. Donc ça nécessite un peu un temps de travail. Pour les enchanteurs, il va préparer un enchantement, il va préparer une potion, un filtre, il va préparer un défixio. Donc un défixio, c'est une plaquette de plomb. On grave la malédiction. Il faut aller chercher des rognures d'ongles de votre victime ou des cheveux de votre victime. Et ensuite, il faut aller placer la défixio au fond de sa cave ou dans son sac à dos. Donc, lancer le sort, c'est déjà une aventure en soi. C'est ce que j'allais dire. Bon. Voilà. Bon, il y a que effectivement les druides et certains sorciers qui vont pouvoir lancer des sorts tels qu'on peut l'imaginer dans donjon, enfin de façon avec des grands gestes et des grandes incantations, sachant que la magie est interdite. La magie comme les empoisonneurs sont interdites par une loi de Scylla, je crois. Si je me souviens bien. Et donc, si on vous prend à faire de la magie, c'est le bûcher. C'est pas cool. Voilà. Et la crucifix. Une dernière question sur Imperator, avant de parler d'autre chose. C'est, est-ce que tu as prévu aussi la possibilité de jouer sur plusieurs générations pour aller justement du moins 100 au plus 100? Alors, oui. Alors oui et non. Alors c'est pas dans les livres de règles. En fait, c'est souvent un petit encart dans les grandes campagnes, dans la campagne par exemple de César, dans la campagne de Judée, dans celle de Bretagne. J'ai laissé un petit encart où j'explique que il est intéressant que les joueurs en cours d'aventure adoptent un enfant ou se marient et aient des enfants ou affranchissent un esclave. Et que ce personnage secondaire, qui sera peut-être leur personnage en cours de campagne, apparaisse pas forcément très tôt, parce que sinon il va vieillir aussi. Enfin, après, si c'est un enfant, le temps qu'il grandisse et qu'il devienne adulte, ça pose déjà moins de soucis. Mais déjà pour qu'il y ait une interaction, c'est-à-dire qu'à la rigueur, que ce PNJ commence en tant que PNJ, que le maître de jeu va pouvoir utiliser ce PNJ pour des intrigues, pour faire pression sur le joueur, enfin le personnage du joueur, et que les gens s'attachent plus ou moins déjà à ce PNJ, et puis que bah, plus tard, quand le personnage, c'est compliqué d'expliquer qu'un vieux sénateur de 80 ans, il continue de courir par Mont et par Vaux sur le champ de bataille. Puis j'allais dire, déjà, bon, il est arrivé à 80 ans, c'est déjà pas mal. Voilà, il était planqué. Mais quoique, hein, des sénateurs, il y en a certains hein, quand même qui est facile. Alors, je dirais pas ça pour un paysan, mais mais voilà. Donc ça, c'est prévu quand même des choses. Okay. Voilà. Et pour pas partir de zéro, en fait, ces personnages que vous adoptez, que vous affranchissez, récupèrent la moitié en fait des points de gloire de la personne et probablement une partie de vos richesses ou de vos bâtiments. Enfin, si vous êtes l'héritier. Si vous jouez la personne qui a été adoptée ou qui est désormais l'héritier de votre premier personnage, forcément, vous allez récupérer ses biens matériels, sa villa, son navire, que sais-je. Voilà. Oui, on ne repart pas en slip et en toge, quoi. Ouais, voilà. Bah non, parce que si on prend la campagne de César qui commence en 80, qui finit en 44, il y a à peu près 40 ans, si vous commencez déjà avec un personnage qui a deux ou trois carrières, qui a déjà 40 ou 50 ans, c'est sûr que vous finirez pas la campagne. Et la campagne de Judée, c'est pareil, on commence en moins 5 ou moins 6 avant Jésus-Christ, et on finit en 50. Donc, c'est des grandes campagnes, donc parce que je voulais avoir la totalité de l'histoire. Donc ça nécessite effectivement parfois de. Ok. Ben écoute, donc là, je pense. Bon, on a bien parlé d'Antica et d'Imperator. Comme je vous disais, on vous chroniquera les gammes dès qu'on pourra. Alors,
à mon avis, pas avant fin janvier, début février minimum, le temps qu'on digère tout ça comme il faut. Au moment où il y aura les crowdfunding. Ouais, aussi. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus personnelle, mais qui va ouvrir aussi, je pense, une réflexion. Je sais qu'on en avait discuté quand on s'était croisé à Octogone l'an dernier. Ton expérience quand tu as été maître du jeu dans un musée. Je crois que c'était l'art antique, hein, si tu dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Est-ce que cette façon de faire de la médiation culturelle, parce que quelque part c'est de la médiation culturelle en se servant du jeu de rôle dans un musée pour faire découvrir des œuvres, est-ce que ça, je sais pas si tu en avais déjà fait avant, si tu as donné envie d'en refaire, et comment tu vois l'évolution justement de tes jeux via ces possibilités de médiation? Alors, la première fois, effectivement, j'ai fait jouer à Arles, donc j'avais été invité par le manoir oui, c'est du sur Arles, crime, effectivement. voilà. Ouais. Donc à Impérateur, donc j'ai fait un scénario qui se Super déroulait, musée, hein. Oui, qui se déroulait à Arles, etc. Et il fallait mettre en exergue certains objets du musée. Ouais. J'ai fait la même chose à Orléans, et puis j'aurais pu faire ça la semaine dernière au Louvre-Lens, hein, mais bon, on m'a prévenu un peu trop tardivement. Donc c'est Christophe Bulot qui a fait jouer Antica en fait au Louvre de Lens. Mais bon, pour l'expérience à Arles, c'est des scénarios courts forcément parce que c'est tout public, donc c'est 2 heures, mais ça a été. Enfin, pour tout dire, la guide qui est venue un petit peu voir, parce que bon, elle connaissait pas vraiment le jeu de rôle, elle en est ressortie en disant, finalement, qu'en 2 heures, on avait réussi à plonger les gens dans l'histoire du musée, et eux ont du mal, même en 1 heure, à faire la même chose. Alors, bon, après, moi, je lui ai expliqué que forcément, parce qu'elle le disait elle-même, hein, c'est que quand elle fait une visite guidée, les gens pensent à ce qu'ils vont faire manger à midi, et puis s'ils sont bien garés. Alors que nous, quand c'était une intrigue, donc avec une enquête policière, donc ça nécessite de réfléchir et donc ils sont en action, les joueurs, enfin les gens sont en action, et le gros avantage, c'est sûr que faire jouer à Arles, au musée d'Arles, c'est royal, je veux dire, moi le scénario, c'est les statues d'Arolat, hein, que vous retrouverez aussi sur la scénariothèque, c'est un vol de statues au musée, au théâtre d'Arles, donc les joueurs, vous les emmenez, il y a la maquette de la ville, ouais. Un peu plus loin, vous leur faites voir la maquette 3D du théâtre, donc déjà ils visualisent où se situent les statues, etc. Et quand mosaïque. Et quand les joueurs vous, enfin moi quand je le fais jouer en dehors de Arles, les gens me disent bon, elle est grande la statue, est-ce que c'est lourd, etc. Et là j'ai rien à dire, j'ai juste dit, vous voyez la statue derrière moi, c'est celle-là qui a disparu. Et là bon bah là, les questions ça tombe sous le sens, elle fait 5 mètres de haut, on sait tout de suite que ça fait plus de 10 tonnes, donc non, elle s'est pas envolée comme ça, quoi, je veux dire. Donc, et puis bon, comme ça mettait en jeu aussi le bateau là, la grande barge qu'ils ont retrouvée. Ah, incroyable. Et quand les joueurs disent oui, mais est-ce qu'on peut le mettre ça sur une barque, hein? Alors je leur dis venez avec moi, je vais vous faire voir la barque. Et quand ils voient elle fait 40 mètres la barque, donc forcément, voilà, c'est ce genre de barge le bloc de pierre avant qu'il soit sculpté, il est arrivé dans la barge, donc forcément, une fois sculpté, ça rentre dedans, quoi. Et donc, c'est sûr que quand vous avez ça sous la main, c'est et quand alors à Orléans, c'était un petit peu différent parce qu'on avait fait jouer un scénario. Alors pour le coup là, on avait fait jouer en nocturne, donc le musée était fermé et on a joué 4 heures en fait, de 8 heures à minuit. Alors bon, c'était, on avait mis en avant le trésor de Sully. Enfin, c'est à Orléans, hein, donc c'est un petit patelin à côté d'Orléans. Ils ont trouvé un trésor gallo-romain avec énormément d'enseignes en bronze gauloises, avec des sangliers, mais taille 1 en bronze.
voilà, il faut l'imaginer en haut d'une perche, comme étendard. Voilà. Et donc, bon, il y avait plusieurs autres objets, donc on avait mis ça en scène, donc bon, bah, c'était un objet, enfin, des choses qui avaient été offertes, et puis qui ont disparu, qui ont été enfouies, et bon, les joueurs qui étaient là-dessus, bon, c'était pas tout à fait la même ambiance que Karl, mais c'était super sympa aussi, parce que on peut faire voir les objets, quoi. Mais bon, à Arles, bon, le musée, il est vraiment totalement adapté pour Impérator. Ah oui, je confirme. Et moi, j'ai travaillé sur Arles, hein, donc forcément, j'y allais plus souvent. Donc, c'est pour ça que je connais bien le musée. Non, mais voilà, c'est très bien. Je sais que sur d'autres jeux, je crois que Emmanuel Roulier a eu l'occasion, lui, de faire jouer à Lasco, enfin à Lasco 2. Ouais. Je m'en avais parlé. Il n'avait pas fait, mais je sais plus quel musée aussi il avait fait aussi, effectivement. Et je pense que avoir l'opportunité de jouer un scénario égyptien au musée du Louvre, ça doit être aussi super cool, quoi. T'as pas mal, effectivement. Pas peut-être les... Après, il faut voir, hein, avec les guides de certaines sections et tout, pourquoi pas. Bah, je pense qu'avec des petits musées, c'est plus facile. Nicolas Liévaux, qui est archéologue justement à Orléans, qui a écrit avec moi une partie d'Orléans, enfin de Cénabum, hein, en fait, pour la Gaule. C'était pour lui que j'avais fait le scénario à Orléans. Et actuellement, il fait jouer différents type de jeu de rôle dans différents musées, entre autres sur Pithiviers, alors c'est pas du Cthulhu, mais c'est comme du Cthulhu, c'est un musée ethnographique, donc avec des objets venant de Guyane, de Nouvelles, de Papouasie, etc. On peut faire des choses à Paris, le Quai Branly, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Voilà, c'était plus pour amener à des réflexions, mais ça, on pourrait faire d'autres discussions sur ça, sur le jeu de rôle comme outil de médiation culturelle, parce que c'est vrai que j'avais adoré cette façon de dire, on se sert d'un musée de l'Antiquité pour aussi amener les jeux de rôle que tu as proposés, qui ont des bases très historiques. Donc c'était juste une amorce de discussion là-dessus. Oui, Tédéum aux Invalides, effectivement, il y a eu une partie là-bas, effectivement, musée des armées, et Tédéum pour un massacre, donc le super jeu des guerres de religion. C'est un autre contexte, on va dire. Un petit peu plus, oui, mais... Tout aussi sauvage. Ars Magica, moi je faisais jouer l'époque de la quatrième croisade contre les Cathares, et au final, ouais, tous mes joueurs, on s'est tous retrouvés le même été dans les Pyrénées à visiter Piribus et Perpertuis. Voilà, bah, c'est oui, ça. Les deux grands classiques, quoi, tellement ils sont beaux. Monseigneur, c'est extraordinaire. Etc. C'est Kéribus, Perpertus, Montségur, enfin bon, il y en a plein. Allez-y, c'est magnifique. Écoute, on arrive tout doucement parce que les projets, donc tu en as parlé un peu pour les deux gammes. On arrive après dernier projet, c'est un jeu d'anticipation que je dois signer avec Odonata, donc avec Florent. D'accord, ok. Qui s'appelle il ne l'a pas dit, ce petit cachotier. On va cuisiner. C'est pas encore signé, il est trop long, c'est pour renvoyer le contrat. C'est pour ça, d'accord. Et c'est un accord de principe pour l'instant. D'accord. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en discuter avec toi et Flo, aucun souci là-dessus. On a fait quand même, tu vois, on n'a pas vu le temps passer, ça fait quand même deux heures de discussion. Non, mais c'est intéressant. Donc, ça permet de voir la genèse des jeux et ce que tu proposes dedans. Ce qu'on peut y jouer aussi, c'est intéressant. Il me reste à te remercier d'être venu papoter ce jeudi soir tranquille. Et puis, de toute façon, merci à toi, Fred. Je t'en prie. Et puis, je pense que de toute façon, on se recroisera dans les salons festivals tôt le matin, parce qu'on est comme ça tous les deux. On est là avant que tout le monde arrive. Et c'est plus sympa pour papoter, hein, faut bien le dire. Et puis, écoute, en tout cas, à nouveau, un grand merci. On va laisser le mot de la fin à une antiquité. Au revoir. Je ne m'en lasse jamais. Donc, merci à lui pour ce petit mot de la fin. Merci à toi, Bruno. À bientôt. Ciao, ciao. Passez une bonne soirée. Au revoir. Ciao.